Et on est de retour pour les qualifieurs TI4 US américains. Et c'est la dernière journée, la journée la plus importante. Il reste actuellement trois équipes en partie. Trois équipes dans compétition. Merci Hugo, en compétition. SNA et Team Liquid que vous avez devant vous qui jouent la finale loser bracket et surtout NAR qui est qualifié en grande finale et qui sera déjà présent à The International puisque les places en grande finale octroient déjà un déplacement à Seattle, sauf que la personne qui gagnera la grande finale sera directement dans une tertiaire, alors que la deuxième devra passer par un match de barrage contre les trois autres équipes des autres continents. Team Liquid SNA, Team Liquid qui a perdu contre NAR 2-0 hier en finale winner bracket, SNA qui a réussi à battre difficilement, mais qui a quand même réussi, Union Gaming, streamé par Hugo Evoja, et tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau des stats, au niveau de tous les héros de ces deux équipes, et au niveau de la metagame qui est quand même bien particulière dans ce qualifier. Ouais, surtout qu'on a vu quand même beaucoup d'équipes qui avaient un pool de héros assez faible, donc d'équipes qui jouent tout le temps la même chose. Bonjour Team Liquid. Donc pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé tout le qualifier ou qui ne sont pas forcément rendus compte du peu de héros que Team Liquid jouait, sur les deux premiers jours du qualifier, devine combien de héros différents ils ont joué. De qui? Team Liquid? Team Liquid, sur les deux premiers jours. Moi je dirais 17. Trop chaud putain. C'est ça? Ouais c'est ça, exactement. Ah trop chaud. Mais donc ça veut dire que si vous réfléchissez un peu, vous prenez chaque joueur et il a un héros qui joue tout le temps si le héros est disponible. Il a un deuxième héros qu'il joue si son premier héros est banni. Et ensuite, vous rajoutez les héros qu'ils ont joué une fois par-ci par-là, quand ils sont posés parce que leurs deux premiers héros sont bannes. Mais ça veut dire que les mecs, en termes de pool de héros, on ne peut pas faire plus faible que ce qu'ils ont fait. Ça me fait un peu penser, en fait, ils ont 5 Admiral Bulldog. Si tu veux, l'Admiral Bulldog ça. Qui était connu, alors maintenant c'est plus vrai, mais à l'époque qui était connu pour jouer que très peu de héros, et Team Liquid, ils ont 5 Admiral Bulldog. C'est complètement scandaleux. Et ça veut dire qu'en termes de... comment est-ce que tu organises ta stratégie, t'es quand même super fermé. Tu dois avoir plus ou moins le même plan de jeu avec des timings qui diffèrent un peu sur chaque partie, quoi. Et du coup, Team Liquid, ils se sont dit, mais on va jouer contre NAR là hier. Enfin, ils se sont dit, mais on va pas pouvoir faire la même chose. Du moins, enfin, je pense qu'ils se sont dit ça. Et du coup, ils ont complètement tout changé. Parce que par exemple, Kojva, hier, il a joué 2 héros qu'il avait jamais joué avant. Et c'était le cas, ils ont joué, je crois, 7 héros différents hier soir. Et ça a pas marché du tout. Ils se sont fait défoncer contre NAR. Et là, visiblement, ils sont repartis sur leur base, mais honnêtement, je pense qu'ils sont vraiment pas sereins parce qu'ils ont l'air d'avoir braqué une façon de jouer, mais ils ont pas l'air d'être très à l'aise avec le reste. Et on sait que Sneaky Nix Assassin a deux anciens joueurs de Team Liquid qui sont X-Mech et Fluff and Stuff, donc Fluff qui est quand même le capitaine, le drafter, etc. Donc ils doivent quand même bien se connaître. Et moi, je serais Fluff pour aborder cette game, je serais quand même assez à l'aise parce que je sais ce que Team Liquid va faire. Hier soir, on a vu que Sneaky Nix Assassin, eux aussi, ils avaient des choses qu'ils aiment bien jouer. On a beaucoup parlé du Disruptor et de l'Enchantress hier soir. On a vu qu'Union Gaming avait réussi à les bouger en faisant des bons bans, des bons picks qui les ont amenés à gagner la deuxième game. Mais sur la troisième, Sneaky Nix Assassin a joué des trucs complètement différents. Une grosse game rat d'auto, bien sale avec du PL, du Furion. Et Sneaky a été excellent dans cette game. Ils ont juste fait une game quasiment parfaite. Donc ils savent jouer, eux, pour le coup, d'autres stratégies. Et je pense qu'ils abordent cette game bien plus serein que Team Liquid. Ok. On va voir si c'est le cas. De toute façon, SNA, ils ont finalement pas grand chose à perdre. Et surtout, c'est une équipe toute jeune. Alors que déjà, Team Liquid, rien que parce qu'ils ont Team Liquid derrière, qui est quand même une grosse organisation, rien que là-dessus, ils ont la pression. Parce qu'ils doivent faire un résultat par rapport à leur sponsor. Sneaky Nix Assassin, ils viennent un peu sans pression, quoi. Ils vont jouer leur jeu et ils vont tout donner. Team Liquid, ils vont avoir déjà la pression du sponsor derrière, ce qui n'est pas toujours évident à gérer. Même si surtout qu'ils n'ont pas vraiment été à la hauteur. Ouais, pour le moment, exactement. Si on regarde leurs résultats depuis qu'ils ont rejoint un sponsor, ils représentent assez mal quand même Team Liquid, qui est une des structures les plus connues du monde de l'e-sport. Donc, ils doivent avoir la pression. À mon avis, s'ils ne se qualifient pas ici, on va un peu leur taper sur les doigts. Même si on sait que Team Liquid est quand même un sponsor assez sympa dans l'ensemble. Ouais. Et assez fidèle. Donc, en fait, Team Liquid n'a jamais vraiment changé. Alors, il y a eu des changements de joueurs, mais on a toujours eu à peu près la même base, finalement, depuis International 3. Donc, c'est une des équipes les plus stables, on va dire, de la scène Dota, contrairement aux chaînes chinoises, par exemple, où il y a très régulièrement des mercato, aussi en Europe, dans les équipes russes, etc., où ça bouge très régulièrement, sauf Navi, parce que Navi est un peu un ovni dans cette scène CIS, mais voilà.
Donc le first pick qui était dans les mains de Team Liquid, on va parler d'Arxir, Disruptor Tiny de la part de SNA, alors que c'est Mirana qui va arriver par la suite pour Team Liquid. Shadow Demon qui va être en troisième pick pour SNA. Pour le moment, on va dire que c'est du basique. C'est trois héros qu'on a vu très régulièrement. Tiny qui apparaît sans Wisp, je ne sais pas si ça a vraiment été le cas, par contre. Ça a été le cas pour SNA en fait. Ils l'ont joué, il me semble. Trois reprises, une fois solo mid, une fois en safe lane. Enfin, ils arrivent assez bien à jouer ce Tiny et ils sont généralement. Vos gens en parlaient un peu sur les timings très très mid game. C'est-à-dire que vers la 20-25ème, ils ont une grosse grosse force avec ce Tiny et ensuite ils essayent d'enchaîner avec l'aga pour finir la game. Donc c'est vraiment un Tiny qui se base sur son burst à l'inverse des Tiny vraiment carry qu'on a pu beaucoup voir. On l'oublie. Parce qu'on le voit plus beaucoup, mais le Tiny avec ses deux sorts au niveau 11, ça fait un burst assez énorme quoi. Donc contre un héros comme Mirana par exemple, un carré comme Mirana qui a pas beaucoup de HP, même le Dragon Knight qui est un héros qui tank quand même beaucoup via l'armure, pas tant via ses HP que ça, le Tiny est quand même assez efficace. Ok. En fait, le principe du Wiz, c'est quand même de lui apporter ce gros stéroïde pardon, d'attaque speed auquel il peut manquer, surtout avec un ulti niveau 3 qui lui ralentit sa vitesse d'attaque et surtout de lui donner un peu le potentiel de tanking. Dont il a besoin pour faire tourelle, quoi. Et ouais, exactement. Et du coup, il passe souvent over BKB. Il fait pas souvent de BKB quand il a un Wisp à côté, juste parce qu'il peut tanker toute la planète, même s'il peut pas forcément taper. Là, il est limite obligé de faire BKB sans Wisp. Au moins pour taper plus régulièrement. Et Sneaky Nyx à 5 qui va prendre un Nyx. ça aide personne. Voilà. Donc ce sera le Nyx a priori en offline, hein. Je pense qu'on est vraiment parti sur Shadow Demon Disruptor en duo de support. Le Tiny, on va voir où est-ce qu'ils décident de le placer. On sait qu'ils aiment bien bouger avec leur support, c'est un duo de support généralement assez actif, Fluff and Stuff et Whiteburn. Ils ont deux héros qui sont pas très très bons pour bouger ensemble à bas niveau, puisqu'on n'a pas de combo finalement derrière le banish du Shadow Demon pour le moment. Ou même pas de combo qui fasse des dégâts, parce qu'il peut mettre Kinetic Field pour coincer un mec, mais ça sert pas à grand chose. Ouais, il faut pouvoir le tuer derrière quoi. Voilà. Donc on va voir, il y a encore une possibilité de tri offensive hein, pour Sneaky avec Disruptor Shadowmon plus un dernier héros, mais du coup ça envoie un Nyx en V1 contre a priori le Darkseer des Team Liquid, ce qui est quand même pas génial génial. Ah, surtout que ce Darkseer est quand même bien shutdown par Shadowmon ou Disruptor. Les deux héros sont quand même deux héros de support qui peuvent facilement zoner ce Darkseer. Entre le Glimpse et la Disruption pour on va dire absorber l'effet surge du Darkseer qui court à l'autre bout de la map, et ben c'est un peu emmerdant pour le Darkseer qui peut très vite partir dans les bois et donc laisser complètement libre les deux supports Sneaky Nyx et Saint. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va voir les premières rotations des deux supports, c'est à partir du moment où ils vont réussir à enlever le Darkseer de l'offlane. Ouais, alors on a vu qu'ils ont quand même, enfin, on va pas dire tout le temps, mais régulièrement joué avec des setups de dual, les Sneaky Nyx Assassins, notamment des duals en offlane, avec, bah, par exemple, on a vu faire du Disruptor et, je sais plus ce qu'ils avaient hier, genre Disruptor Tide, ce genre de héros, ce genre de ligne. Là, Team Liquid, a priori sur son offlane, a déjà deux stuns, le West King, la Mirana, donc c'est quand même assez compliqué de se balader à deux contre ce genre de ligne. On va voir s'ils vont oser faire ça ou pas, ça va aussi peut-être dépendre du dernier héros des Team Liquid qui est le dernier support qui leur manque. Mais c'est quand même une option qu'il faut garder en tête. Ils pourraient essayer de partir sur de la dual en mettant par exemple Shadowmon Tiny en disant avec Shadowmon Tiny on a assez de burst pour instant un Darkseer. Si on a réussi à le zoner un peu au début, ça peut être une possibilité. Ok. Est-ce qu'on n'en a pas forcément parlé de la part du Team Liquid? Un support probablement associé à un deuxième support qui devrait arriver par la suite. SNA a décidé d'enlever le Keeper of the Light. SNA, eux de leur côté, tu t'en as déjà parlé, il leur manquerait soit un héros en safe lane pour envoyer le Tiny mid, soit un héros en safe lane pour envoyer, on va dire, une tri-lane offensive. Enfin non, soit un héros en off lane avec Disruptor et Shadowmon pour envoyer Nyx Assassin en safe lane. Ils ont beaucoup beaucoup de choix en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que leur line-up est pas du tout fermé parce qu'ils peuvent aussi prendre un mid et envoyer un Tiny en safe lane. Ah ouais, ils ont énormément de choix. C'est une équipe qui a joué énormément de corps héros différents. On a beaucoup parlé, ils jouent les mêmes supports, c'est vrai, mais ils ont joué énormément de core héros différents. Et là, ils vont repartir sur le combo qu'ils nous avaient fait, il me semble, c'était il y a 2 jours, Nature's Prophet Tiny. Avec le Nature's Prophet, moi, je m'attends à le voir en position 1. Ils l'ont joué hier en solo mid aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas des Nature's Prophet core, enfin, core, pas en offlane depuis, mais
hyper longtemps, mais qui se jouait il y a quoi, 2-3 ans peut-être? C'est ça. Et eux, ils sont sacrément à l'aise là-dessus. Ça empêche un peu les dives de Team Liquid parce qu'on a toujours ce Nature Prophet qui fait mal tôt dans la partie, qui peut TP pour rejoindre sans scroll le début, juste avec son sort, donc c'est quand même assez dangereux. On a vu hier que ça avait bien bloqué les Union Gaming quand ils voulaient essayer de mettre de la pression à l'Elder Titan de AX Mike, parce qu'à chaque fois qu'ils hésitaient à le go, il y a le Feuillant qui mettait son TP, il disait oh, je peux être là les gars, je peux être là. Après il annulait ou il annulait pas suivant la situation, mais c'est un peu c'était un peu gênant pour les Péruviens. Ok, last pick de la part de Team Liquid, probablement un support pour aller avec Wrestling, sauf s'ils mettent une Mirana, on va dire support, et Roam avec Wrestling, qui pourrait être assez intéressant. Ils ont beaucoup de choix encore Team Liquid, même si ce serait probablement un Dekamine, un Darkseer offlane. Là-dessus, on est à peu près sûr, cette Mirana qui peut être soit en safelane, en position 1 en tant que carry, soit même en offlane, Mirana Wrestling plus un support, ça va être le Bane. Donc Bane Mirana disponible, Bane Mirana le combo qui va arriver, avec un Wrestling en plus par-dessus en support pour faire le combo. Ça peut faire assez mal finalement en tri-lane offensive côté Team Liquid s'ils décident de faire ça. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Je pense que ce serait limite la bonne idée d'aller déranger une équipe de Sneaky Nick Assassin qui a une bonne line-up, mais pas forcément une line-up très forte en early game, notamment avec ce Nature's Prophet qui apporte pas forcément grand-chose, on va dire, dans les premiers levels, même s'il peut très vite décaler. Disruptor Shadowmoon, on en a parlé, c'est des héros qui peuvent pas vraiment tuer, qui peuvent défendre, cela dit. Donc on va voir ce qu'ils vont décider de faire, Team Liquid. Ouais, moi je pense que t'as 100% raison. On a vu beaucoup ça au tout début du tournoi. Des gens qui prennent le Darkseer tôt et qui partent en tri-offensive avec des Mirana. C'est ce qu'on a globalement vu toute la première journée, il n'y avait que ça. Il n'y a pas grand-chose pour emmerder ce Darkseer en 1v1 en safe lane. Donc je pense que ce serait une très très bonne idée de leur part. On va voir si ça va être leur choix. C'est Team Liquid, ils sont un peu frileux généralement C'est ça. de faire ce genre de choix. Mais c'est On va là où voir. on ressent la pression du sponsor en fait, parce que on a vraiment l'impression qu'ils jouent pas comme ils devraient jouer en fait, alors qu'ils ont montré des très belles choses sur d'autres tournois. Et on les sent vraiment un peu bloqués, un peu peureux quoi. Ouais, exactement. Et puis, quand même, si on regarde juste genre les joueurs individuellement, Bulba, mais c'était un monstre. Enfin, ça a été peut-être le meilleur joueur américain pendant un moment. On a TC qui était exceptionnel au tout début de la bêta de Dota 2. On a Demon qui a un palmarès monstrueux sur Dota, Dota 1 et Dota 2. Kojva, en ce moment, c'est clairement un des mecs les plus skillés de la scène mondiale. Et je parle de la scène genre partout, parce qu'il est exceptionnel ce mec. Et bon, Waitu est peut-être un peu moins connu, mais dans l'ensemble, c'est quand même d'énormes individualités qui sont ensemble et qui n'arrivent pas à fonctionner, quoi. Donc, comment ça va se passer pour le moment? T'avais bien vu avec une dual lane, et ça va être Nyx Assassin Disruptor à gauche, côté Nyx Assassin, enfin côté Sneaky Nyx Assassin, ça va être un peu bizarre cette histoire. Tiny qui va être au mid, peut-être protégé par Shadowdemon, ou alors ce Shadowdemon va remonter, je sais pas trop, sachant que ça va être un Nature's Prophet en solo safe lane qui va être face au Darkseer de Bulba. Un duel pas forcément très intéressant, je pense que les deux héros farment correctement finalement, et que sauf si, enfin, même le dive de Darkseer, on va dire, d'aller derrière la tour récupérer les creeps est pas forcément gênant pour ce Nature's Prophet qui a les triomphes pour tanker et pour farmer. Ouais. Dans l'ensemble, Darkseer va être légèrement plus à l'aise puisqu'il n'y a pas Ouais. grand chose à craindre, à moins qu'il y ait un Shadowmon qui traîne. C'est Il ça. semble être le cas. On a l'air de partir sur des duels quand même côté SNA. Ouais. A voir si le SD va se mettre mid peut-être avec le Tini. Mais c'est ce que je pensais pour vraiment, on va dire, shutdown ce DK, l'empêcher de prendre ses aises. Il est parti bien sûr sur un rush bottle, donc il va avoir besoin de deux last hits pour récupérer. Il en a déjà un sur son premier Breastfire. On va voir s'il met directement le deuxième ou s'il arrive à le récupérer sur un last hit, sachant que Fluffensuff reste dans le coin. Il a des élus qui vont venir scout aussi Bulba. Bulba, il a pas grand chose à craindre. Il a déjà deux Ion Shield sur les creeps. Et il est tranquille et il va venir auto-shot un peu ce Nature's Prophet. L'action va peut-être venir du top avec Nyx Assassin et Disruptor qui peuvent, on va dire, facilement tomber sur le combo Bane, Wrestling et Mirana sur une bonne flèche, mais c'est quand même pas évident évident. Ouais, ils ont pris ce Nyx, on l'a déjà beaucoup vu pour sa carapace en fait, C'est en ça. offlane, qui peut vraiment renvoyer ce combo Bane-Mirana. Bon, là le Bane a été pris plus tard, mais il y avait déjà Wrestling et Mirana qui avaient déjà deux gros stuns. Et je sais pas si ça va suffire pour survivre pour AX Mike, mais en tout cas, t'es quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, le stun qui est parti, la carapace qui est utilisée, on va mettre le slip derrière, la Mirana se met en place, on va mettre l'arrow très bien joué de la part de White qui a réveillé au dernier moment le Nyx Assassin pour skill esquive cette flèche, et le combo qui est loupé de la part de Team Liquid.
Et ça, c'est vraiment là, je pense, honnêtement, la seule équipe à jouer comme ça, SNA, avec vraiment une duel en offlane et ces disrupteurs qui est là juste pour couvrir Sonix, pour que Sonix puisse jouer de manière plus sereine et que les deux supports de Liquid aient des mal à débloquer des kills. Et c'est assez intéressant. Au mid, ce Shadowdemon qui va commencer à faire des stacks, on avait beaucoup vu ça hier du côté NAR, et c'était vraiment intéressant. Alors ça n'avait pas forcément énormément profité, mais ce Tini qui avait pu sortir finalement du stuff très très rapidement et rentrer beaucoup plus vite dans la partie. On va voir s'il fait Midas, Sox avait vraiment l'air de dire. Alors il était avec un Wisp, donc ça changeait aussi un peu les choses, mais Sox avait vraiment était vraiment parti en mode il faut faire Midas sur un Tini, ça profite énormément en termes de level, de farm, il a pas grand chose à craindre finalement. Alors là il a pas le Wisp peut-être pour le protéger et pour lui donner stéroïde d'attaque, donc on va voir s'il décide de faire Midas ou s'il sent pas trop à l'aise pour le faire, alors que ça va peut-être partir mid. Il a pas le combo, il a juste l'avalanche, il y a un DD qui est arrivé sur TC, ça aurait pu être dangereux, il a pas de mana, il y a surtout pas le deuxième sort qui permet de stun, donc pas trop de danger pour ce Tini pour le moment. Ouais, c'est vraiment un Tini, tu vas voir, qui joue bien très différent des Tini qu'on voit d'habitude, parce qu'il joue vraiment, c'est un Tini qui gank. Alors il fait certes des items normaux, enfin, classiques on va dire pour un Tini, mais c'est vraiment un Tini qui bouge beaucoup. Donc moi je m'attends vraiment pas à avoir de Midas, mais on va le voir. C'est généralement c'est power trade, drum, et ensuite je fais Aghanim, mais je farme pas tant que ça quoi. Je me balade sur les lignes, j'essaie de trouver un petit mec tout seul pour lui mettre mon combo, le one shot, c'est intéressant. La flèche qui est lâchée, non pas du tout. La flèche qui va peut-être être lâchée par la suite, la carapace qui a été posée, le stun du derrière de la part du Wrestling, c'est peut-être le first kill, probablement, si... Oh, le bel impale, est-ce que ça va lui donner assez de temps? La salve juste derrière, il manquerait quelques autoshots, ça passe. Pour Sonic, non! Kokja qui arrive à mettre le dernier coup et qui va pouvoir leap out. Très bien joué de la part de Kokja, qui a grippé jusqu'au bout, mais ça a payé. Ouais, et de tous les Team Liquid dans l'ensemble, parce que, je sais pas si t'as vu, ils ont temporisé leur engage en disant ils vont se slip, se contre-slip, se déslip, nous on va attendre pour mettre la flèche au bon moment. AXMAC est venu finalement bloquer la flèche et ils ont récupéré ce kill au dernier moment. C'est très bien joué, ça leur coûte quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de faire ça, mais c'est bien qu'ils arrivent au moins une fois à récupérer un kill. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important, ça va donner en plus le first blood à cette Mirana qui va du coup pouvoir sortir un peu de stuff et peut-être fast boot très rapidement pour venir zoner beaucoup plus efficacement ce destructeur et Snake Assassin. Il y a peut-être un Glimpse d'ailleurs qui va être posé sur Kokjva. Il a le Glimpse, ouais. Il devrait pas trop être en danger, quoique il y a le Nyx Assassin, le Nature Prophet aussi qui va TP, le Spout qui va être posé, Kokjva qui est probablement dans la merde, il y a aussi un stun qui va arriver par-dessus de la part de X-Men pour récupérer le kill, c'est bien joué, il va peut-être se retourner sur ce Nature Prophet, il manquerait deux attaques de la part de Demon, ils vont pas réussir à le faire, ils vont réussir à ce disruptor juste derrière, je pense, quoique le Nightmare, ils sont tous à un HP côté Nyx. Oh non. C'est incroyable ce qui se passe. Parce que je sais pas, t'as vu le Bane, il a commencé à lancer l'attaque. Hein. Ouais. Après, il a commencé à lancer le slip. Il a levé les bras deux fois sans réussir à finir sa juste prophète qui s'en sort. Et le disrupteur qui vient bloquer le chemin, genre je te couvre, ils peuvent pas venir t'attraper si loin. Aïe 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 aïe. Alors ce Tini. Et du coup, le Tini était bien récupéré à la ligne en bas. Ouais. C'est bizarre. Ouais, c'était assez bizarre parce que le Shadowdemon était du coup resté mine. Alors l'intérêt c'est que ce Shadowdemon il est déjà niveau 4. Il a pour le moment maxé Soul Catcher d'ailleurs, ça c'est intéressant à noter. Mm-hmm. Notamment sur le combo Tini qui fait quand même très très mal. Et d'ailleurs il l'a hein, ce combo, il faut 240 de mana, parce que ça coûte 120 et 120 et que le coût en mana n'augmente pas. Ah, il est pas si bien que ça, il profite pas tant que ça de la dual lane le Tini pour l'instant, parce que ce qu'il a surtout besoin c'est de level hein, pour pouvoir mettre son. Enfin pour que ses sorts fassent juste plus mal. Et bah pour l'instant il est niveau 4, c'est-à-dire un des plus bas niveaux du jeu, sachant que le DK en face est level 6. Le DK dans l'ensemble il est bien, il a 24 de CS, donc plus de CS que Tini. Donc la dual mid qui fonctionne pas très très bien pour Sneaky Nyx Assassin. Sachant qu'il y a une smoke, hein. Il y a une smoke de la part de Bane, le stun qui va arriver sur ce Tini, Tini qui est en danger, le stun Wrestling juste derrière, le Shadowdemon qui était mal placé pour mettre la disruption, il a levé les bras, mais ça sera pas assez vite. Et du coup, et ben c'est un autre kill récupéré par Team Liquid, et ça c'est un kill important, ce Tini, qui en plus, comme tu l'as dit, pour le moment profite pas vraiment de Smith, puisqu'il a pas énormément d'XP, et que Fluff and Stuff lui a volé, entre guillemets, beaucoup d'XP, la rune qui va être en bas, récupérée probablement par ce Dark Knight, avec sa bottle. Ah non, quoique, va TP dessus, bien joué. Je sais pas ça, il y a une ligne de ward à côté SNA, on a wardé Clarivia. Bon, la ward en bas va finir par disparaître. Mais il y avait 3 wards qui bloquaient vraiment toute la rivière.
Ils ont peut-être peur assez tôt des rotations. En tout cas, c'est le mid là qui est wardé pour le Tini. Ils savent que ce Tini a besoin de recover. On lui a fait, on a parlé un peu des stacks, mais pas tant que ça. Donc il va lui. Il faut le protéger un peu le temps qu'il prenne au moins son level 7 et qu'il puisse commencer à aller récupérer des kills. Ils veulent peut-être vouloir go sur ce deck. Ouais, le Sprout qui est parti, il a plus de tango. Il a plus de tango, la disruption juste derrière qui va absorber, je crois, l'ulti adjacent en tête. Non, pas du tout. Le Skullcatcher, il a pas eu le temps de mettre le combo, mais il a un toast et ça devrait passer pour TC. Et c'est Tini qui va récupérer le kill. Bien joué à ce Adjacent Prophet qui était venu gang. Ouais, c'est assez rare de voir un Adjacent Prophet arriver comme ça en novice sur vous. Mais il vient de débloquer un kill, c'est le deuxième kill sur lequel il sera en kill. C'est un kill, il a pas récupéré les kills pour le moment, mais il participe pendant son avenir. Il y a beaucoup de pression en bas, puisqu'on a les deux supports de Team Liquid qui sont là et le Darkseer qui s'est occupé des creeps qui arrivaient. La tour va vraisemblablement tomber et on va voir si du coup ça contre en haut. Sur Koch, qui va se faire go, qui va se faire glimpse, qui a le leap, bien joué, il a esquivé l'impale. Il est tombé quand même assez low derrière le Bane, va TP, va mettre un slip qui part sur Nature's Prophet. Il se fait réveiller immédiatement par le Disruptor qui apprend la flèche et le stun en même temps du Rest King. Il va tomber, Icemike qui retombe, qui a envie de fight, mais il a une impale dans une seconde. Histoire-là. Il a l'impale maintenant, Icemike, il pourrait se retourner. Il y a aussi Shadowdemon qui est dans le coin. Non, ils vont décider de juste courir. Et ça bouge déjà pas trop mal, 3-2 en 8 minutes, on a connu des parties un peu plus actives au niveau des kills, mais il y a beaucoup beaucoup de rotation au niveau des lignes par contre. Et ça c'est intéressant, peut-être on a déjà plus de kills que la game d'hier quoi. C'est vrai. Entre NAR et Liquid. Ce qui est intéressant aussi sur la rotation au mid du Nature's Prophet, c'est qu'il a complètement esquivé le gang de Bane et de Wrestling qui était posé en bas et qui était destiné bien sûr à le tuer. C'est pas commis d'ailleurs hein. Le Darkseer est parti, on va go sur le disruptor, le stun de Dragon Knight qui arrive. Belle avalanche de la part du Tini qui va gagner un peu de temps pour son support, il se fait ramener en arrière. Et le disruptor qui part malheureusement sur le DK. Flatten Stun, du coup, peut-être un danger derrière, puisqu'il a pris à son tour le stun. L'ulti du Furion est parti, on va toss ce Shadow Demon sur le Darkseer qui s'en sort pour le moment. Il a esquivé le dernier coup de poison, tout le monde s'en sort à 1 HP. L'ulti Mirana a utilisé et petit tips, on a une régène à récupérer en bas, les gars. C'est le West King qui va la prendre. Lui, il est bien content. Ouais, ça va s'arrêter là-dessus, juste sur la mort de qui ? De Disruptor. Disruptor. Okay. Ouais. Oh, ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier vu ce qui se passait. Il y a eu un Ulti Nature's Prophet qui a fait énormément de dégâts et qui a beaucoup boons. Ils n'ont pas réussi à récupérer ce Darkseer. C'est vraiment pas de chance. Le Funsoft qui a un peu perdu le contrôle de son héros après le toss. Puisque vous perdez vous perdez le contrôle tout simplement. Et en plus, il est arrivé en bas de la pente alors que le Darkseer était déjà en haut. Donc un peu de malchance à ce niveau-là. Ils vont faire le stack pour ce Tini, j'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être un peu tôt, non ? Ouais, je sais pas, il est le faire si facilement que ça. Ouais, il est que niveau 6, il a encore un avalanche que niveau 1, ça peut être un peu juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va lui permettre de finir son drum et d'être beaucoup plus à l'aise sur la carte. Alors, petite particularité sur le Tini qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début. En fait, si vous mettez vos deux sorts en même temps avec le Tini, votre toss fait deux fois plus de dégâts. Et donc du coup vous faites, enfin votre burst, c'est un des rares bursts dans Dota qui scale bien avec les niveaux. Surtout que l'ulti permet aussi d'augmenter les dégâts du toss tout au long de la partie. Donc c'est un des rares bursts qui vraiment augmente bien. Et même si on voit beaucoup de Tini qui se joue en carry avec la Ganym etc. C'est une autre façon de jouer le Tini, même si pour l'instant il a toujours pas vraiment rendu montrer ce côté là de son héros. C'est comme ça qu'aime bien jouer USH, qui va finir son stack. Alors qu'il va pas s'acheter son drum, mais qui va, on va dire, prendre déjà un level. Ce qui est intéressant, il a max Eltos pour le moment. On a des stacks un peu à gauche à droite. Ça va peut-être essayer de venir défendre, sachant qu'il y a le Deka qui vient d'activer son ulti pour essayer de prendre cette tour plus facilement. La Vendetta qui va arriver de la part du Nyx Assassin pour le moment sur ce Deka qui est pas une cible évidente à tuer. Il faudrait mieux essayer de récupérer Kog'Jua avec sa Myrna par exemple, qui a que 750 HP mais qui a un leap pour s'en sortir. Un saut de tigre. Et en attendant, ce qui est intéressant, c'est que Team Liquid ils occupent beaucoup le mid et le bas de la carte et SNA qui s'occupe pas du tout de la top lane, on va dire, de la ligne en haut. La smoke a été révélée des SNA. Bon positionnement de la part du Bane. Mais ça c'est l'effet Darkseer, parce que c'est le Darkseer qui monte pour cette ligne en bas, qui du coup donne accès au bois pour Team Liquid, puisque toutes les lignes sont montées donc ils peuvent y aller sans problème. Ça permet au DK aussi d'être plus safe au mid, parce que il a beaucoup d'informations sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur la ligne en bas, ou est-ce que les gens qui ne sont pas là sont venus pour essayer de le tuer. Et c'est assez intéressant. Attention, on a le West King qui est passé par derrière sur le Nature's Prophet, la Myrna qui va nip offensif, mettre le double Star Storm qui touche, très bien joué, et vont récupérer ce kill facilement sur SNA. Ça fait 5-2, Liquid qui prend très très bien ce début de game, déjà 4000 gold d'avance et un peu plus de 2000 d'XP. Ouais,
Exactement, et en plus on n'en avait pas parlé, mais alors on disait que le Nature Prophet il était pas beaucoup en bas et que c'était assez bien joué, il avait participé à des kills, etc. Mais il a aussi fait perdre un peu le contrôle des bois avec ses mouvements, puisque la tour est tombée très rapidement et qu'il n'a pas été là pour la défendre. Alors c'est pas entièrement de sa faute, c'est aussi la stratégie qui veut ça. Mais Team Liquid du coup qui l'exploite très très bien et que ça fait plaisir, ça va peut-être essayer de partir sur ce Bane qui est que niveau 4, il va falloir réussir le stun qui est complètement loupé de la part du Nyxassin. Est-ce qu'il y a un spot qui va arriver? Nature Prophet qui a pas fait un super TP, quoique il va essayer, ouais, ça va passer. Ça va passer, c'est bien joué. Ouais. Bon, il est parti sur un Midas dès le début. Nature Prophet, c'est classique, mais il a pas complété son phase avant. Donc ça le rend peut-être un peu plus facile à tuer. Et la tour est pleine en choix, en attendant. Hein. Juste sur ouais. La diversion créée par ce Bane. Ça bouge on a le fait à côté mettre la pression au mid. Ouais, ça bouge très bien. Et il y a un TP du Red King pour venir le chasser. Il est niveau 6 sur le King, donc il craint pas grand chose pour le long, puisqu'il a son ulti qui permet de revenir à la vie. Le mecha qui a été complété sur Bulba avec son Darkseer, ça va encore être un Darkseer avec beaucoup de stuff, j'ai l'impression. Midas qui a été fait sur une Mirana. Alors, ça fait. Moi, je trouve que ça fait plaisir parce que on voyait pas beaucoup de Mirana partir sur Midas. C'est en même temps, je trouve que c'est toujours des Mirana qui faisaient du stuff, on va dire. Un peu à tout faire entre guillemets avec fast food, drum, etc. Ça va partir le surge qui est lancé sur ce DK. Un dragon, qui va à la vitesse de la lumière, qui va essayer de tuer, mais il y a double TP directement. Le sprout qui est posé, il a rien pour s'en sortir. Le stun qui est derrière de la part de l'unique assassin, l'ulti et le soutenateur qui est posé qui va toucher ce Drunk Knight et TC qui est probablement mort aux autoshots. Le stun qui est parti encore, sur Shadowfiend. Il tank énormément, il a énormément de régène. Il a le mecha en plus qui est disponible d'ici quelques secondes. Il a quand même finir par tomber. Récupéré et par ils auraient presque pu revenir l'aider hein. Si le Darkseer revient ou si la Mirana revient avec le mecha, je pense qu'ils pouvaient retourner ce fight. Le ils ont pas trop cru. Il avait pas de mana Bulba et il avait son Soul Ring en cooldown encore pendant 5 secondes. Du coup, il pouvait pas mettre le mecha. Je pense que si le mecha passait, ça pouvait être assez mauvais ah, pour un carnage. Ah ouais, quand on voit combien de HP ils s'en sortent tous. Un petit stun qui part au mid sur Wadern, mais c'est juste pour l'embêter un peu. Oh, quoi que le Glimpse qui a passé derrière, l'ulti qui est utilisé de la part de Zwisculptor, on a le Tiny qui est dans le coin, activer sa régène pour pouvoir récupérer de la mana. On va faire tomber l'ulti sur ce West King. Est-ce qu'il arrive à le retuer? J'ai l'impression qu'ils vont bien pouvoir. Le Tusk est lancé, pas d'avalanche, il va récupérer le kill. Oh oui, il récupère avec le damage overtime du stun. Bon, il meurt avant. Oh, attention, on a un slip qui part juste derrière, puisque Pegasus et TC sont dans le coin. On a le stun qui part sur le Tiny. Ils ont décidé d'ignorer un peu Sage Prophet. Le Ben qui fait n'importe quoi, qui s'est endormi tout seul. Et on a le Nyx qui arrive pour récupérer le kill sur le Darkseer. La Seer qui était au level et qui valait cher. Derrière, on tente de fight de la part du Ben qui fait n'importe quoi. Alors, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe tout le long quoi, Demon. De la fight, hein. Parce qu'en plus, il s'est slip et il a mis beaucoup trop de temps. Sachez que quand vous êtes Nightmare, enfin, quand vous êtes. Endormi avec votre Bane, vous avez votre touche pour enlever le slip et il l'a pas fait. Et il est resté 5 secondes sans rien faire. Et il a mis son ulti en plus après. C'était très bizarre ce move. Complètement perdu. Hein. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, on revient à 6-6. Hein. Je vous rappelle qu'on était à 5-2 tout à l'heure, je crois. Ouais. Ouais, non, on est sacrément revenu dans la game. Regarde, en termes d'XP, on est revenu quasiment à zéro. En termes de gold, c'est différent parce que y a des tours. Le Darkseer est très bien. Voilà, exactement. Il y a des tours qui ont été prises. Il y a beaucoup de map control qui est pris de la part de Team Liquid. Ils vont d'ailleurs revenir pour essayer d'agresser cette tour au mid. Mais en termes d'XP, on a fait le plus dur. Est-ce qu'ils peuvent facilement la défendre? Il y a le disrupteur, il y a un Glimpse surtout niveau 4 qui peut être posé. Est-ce qu'il va Glimpse TC? Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas s'ils ont vraiment la vision. Non, ça a été un noir de la part de Team Liquid qui a pris le contrôle de Smid. Avec une sentrie, la flèche qui est lâchée, la flèche qui va toucher. Oh, oh. Oh, c'était chaud. Oui, oui, oui. C'était très chaud. Et la tour qui est pas en range de deny. Bientôt. Mais ils sont tous là, ouais. les SNA. Ils sont tous là par ce Nature Prophet qui va TP en haut, qui a un ulti si besoin et qui a surtout un TP pour venir aider, qui va venir mettre de la pression sur la ligne à gauche le temps que Team Liquid décide de prendre cette tour mid. Pour le moment, ils sont un peu abandonnés en fait. Et c'est. Dommage, je trouve, de ne pas aller prendre cette tour mid. Ouais, sur la fin de l'ulti Dragon Knight. Même si elle est denied, dommage, ça enlève quand même toutes les T1 du jeu côté SNA et ça aurait été intéressant en termes de contrôle de map. Bah ouais. Tout à fait. Surtout qu'ils ont des bons héros pour les récupérer des kills seuls. Oh, le feu, on va essayer de récupérer le chicken. Est-ce qu'il est au bon endroit? Oui. Par contre, il y a Bulba. Un coup, il lui faut trois coups. Oh non, ça passera jamais. Non, ça passera. Ça passera absolument pas. Mais il a eu trop peur ce Darkseer en fait. Il s'est dit ouais. Putain, il vient pour essayer de me tuer. Alors en fait, pas du tout. Il était juste là pour essayer de récupérer le courrier. On a le Nyx quand même qui est dans le coin, aidé avec ses deux supports qui sont avec lui. Ils vont essayer de récupérer quelqu'un. Il n'y a pas grand monde malheureusement. Il y a cette Mirana, mais il faut la trouver. Elle a en plus un leap. C'est vraiment pas évident. Elle va peut-être.
sortir pour grid son minage. J'ai l'impression que Kogsvei est quand même légèrement au courant de ce qui se passe sur la carte. Et c'est pareil pour ce Bane qui va se diriger en haut, qui a un ulti, enfin son ulti qui est revenu. Voisin qui va partir sur une Blade Mail, BKB en préparation du côté du Dragon Knight, BKB aussi en préparation du Dark Seer, j'ai l'impression. Peut-être pour l'ulti disruptor, probablement pour l'ulti disruptor, ouais. C'est une vraie plaie. Ah, puis même le burst du Chini peut lui faire peur aussi, ouais. En sensation. Surtout que c'est un héros important quand même avec son mecha, donc. Ouais. Et puis on a un Soulcatcher maxé, donc gérer PKB c'est toujours bien. Que tout le monde va avoir du mal à tanker. Prendre le Soulcatcher. Et cette fois-ci, ils vont revenir prendre cette tour mid. Le Dragon Knight a son ulti qui est de retour. On va mettre des Iron Shell, notamment sur le West King. Le West King qui a pas tout à fait son ulti, il lui manque encore une petite minute avant de le récupérer. Mais elle va être très dure à défendre cette tour. Hey. Surtout que le Tiny a utilisé son avalanche en plus, qui a un assez long cooldown. Ouais, je pense que la tour va tomber, ils vont mettre l'ulti, ils vont faire peur, ils vont mettre l'ulti aussi sur TC, l'ulti au Shadow Demon, ils vont mettre oh, le super ulti disruptor, ils vont pouvoir tuer ce Dark Knight, il vient de Nightmare, il y a un Glimpse qui est parti sur le Dark Knight du derrière, la disruption qui part sur le Bane, c'est très bien joué, ce Bane qui a un ulti mais qui a pas le posé, une défense absolument parfaite pour le moment côté SNA, qui va prendre 3 héros, qui a perdu la tour, je pense, je suis pas sûr qu'elle soit fait ouais. Deny. Non, si, elle s'est fait deny par Sonic Assassin, ouais, c'est totalement c'est rentable génial, côté alors. SNA. Et regarde, ils vont contrer en plus en prenant la tour mid. Côté Liquid, on va se diriger en bas le plus rapidement possible pour essayer de profiter du fait qu'il y a quand même 5 mecs mid, donc beaucoup d'espace sur la carte de libre. Mais ils vont pas pouvoir prendre grande chose. Mais quel fight! Et là, tu comprends pourquoi il first kill Disruptor. Parce que exactement. Cet ulti, enfin, il a coupé le fight en deux et il est incroyable, Wade Bird avec son Disruptor. Il met des ultis, mais c'est. Moi j'avais jamais vu ça, je trouvais que c'était un héros assez mal utilisé, mais je pensais pas qu'il pourrait avoir un potentiel aussi démentiel que ce qu'a montré SNA depuis le début du tournoi. Est-ce qu'il y a eu des changements lors du dernier patch de disruptor ou pas? Il me semble que aucun. Oui, mais aucun. Il me semblait qu'il avait eu un changement sur un coup de ah si ou... Oui, tout kinetic field, descend de 16 à 14, quelque chose comme ah ça. Oui, ouais, ouais. Ou à 12. Ans. Non, enfin, c'était 14 secondes tout le temps, et maintenant voilà, ça descend d'une seconde par... Donc vraiment un changement pas important. Ouais, puis c'est un héros qui est tellement peu joué. Ouais, non, c'est un petit buff sympa. C'est ça. Mais c'est. Je pense que c'est ça la révolutionne raison pour laquelle ils le prennent, quoi. Voilà, le principe est toujours le même. C'est juste que là, il est utilisé de manière vraiment exceptionnelle par ce joueur. Ils ont 7-1, je crois, 7-2 avec ce héros, okay. Mais surtout, enfin. À chaque fois qu'on le voit, je rappelle, hier soir, il y a des teamfights, mais t'as un teamfight qui. Coupé en deux et l'équipe adverse ne peut pas, tu sais, ils peuvent pas venir aider le mec qui se met en gage ou ils peuvent pas venir se regrouper. C'est incroyable ce qu'il fait avec ça. Et ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont tous en stand-in du côté SNA, je crois qu'il y a un petit bug avec leur équipe et donc du coup, Valve en fait a créé des logos, enfin des profils d'équipe officielle et que si t'es pas dans l'équipe et que tu joues quand même dans l'équipe, t'es marqué en stand-in point et ça fait un peu bugger parce qu'ils sont considérés pas dans l'équipe Sneaky Nix Assassin mais ils jouent quand même chez Sneaky Nix Assassin. Enfin, ils ont eu un petit bug et ils en ont parlé au début de la partie. Donc Aghanim sur le Tini qui est arrivé, l'objet le plus important du Tini qui lui permet vraiment de snowballer efficacement puisque bah regardez quand il tape, il attaque en zone tout simplement avec en plus une range améliorée puisqu'il arrive à 200 quelque chose de range, 235, c'est ça, il augmente aussi ses dégâts, il fait plus mal au bâtiment. Il augmente les dégâts de son toss et c'est vraiment là que le potentiel de carry du Tini est grand. Mais bon, comme tu le disais, il n'y a pas de Wisp. C'est ça. Donc ça va pas être le monstre qu'on voit parfois qui gagne des parties en V5. Ça va pas être ça dans cette game là. Mais ça reste un héros qui fait peur. Bah, c'est-à-dire qu'il va arriver beaucoup plus tard. Il y a un ulti Myrna qui est lâché pour chercher le disrupteur à gauche. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il y a un surge? C'est compliqué. Il y a un ulti Bane en fait qui peut être posé, mais Whitebeard mm-hmm. qui est très malin. Et qui est juste trop malin. Je sais pas s'ils ont vu l'ulti. Ils ont peut-être vu l'ulti Myrna sur le senti. Mais c'est encore une fois, on est sur un Bane, regarde, qui est niveau 6, c'est le plus bas niveau dans la game et de loin. On n'a pas vu son ulti une seule fois, ou si on l'a vu une fois, mais il n'a pas duré plus d'une seconde. C'est ça. Donc c'est vraiment un Bane qui n'est pas rentabilisé du tout. Bon, il y a des bons contre Bane hein, dans la game, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Je sais pas si t'as vu des Bane toi depuis le début du tournoi, on en a vu deux avec Voja. Pas et à chaque fois, non. C'était pareil. À chaque ouais. fois, le Bane n'arrivait jamais à trouver des opportunités pour son ulti, et à chaque fois, il n'arrivait jamais à se rendre utile. C'est une grosse déception de. Dans l'ensemble sur ce mois, parce qu'il y a plein de Myrana, on pourrait se dire qu'est-ce qui combine bien avec Myrana, c'est Bane, ce qu'on voyait beaucoup il y a quelques mois, mais au final c'est un héros qui est... Il a pas des stats si dégueulasses que ça, puisqu'il est à 3-4 je crois, mais dans l'ensemble c'est un héros qui a été Il a plus le même impact en fait qu'auparavant.
C'est lié aussi à la présence du Shadow Demon, hein, qui est dans l'ensemble un très très bon contre-bane, puisque vous pouvez mettre votre description sur le mec qui se fait ulti-bane. Mais il y a autre chose, il y a autre chose qui explique le style de jeu, il n'est pas du tout adapté à la présence d'un bane. On va regarder un peu le network, en attendant que la partie se calme un peu. Sotini, qui est déjà promu au network, alors qu'il a son Aghanim depuis assez peu de temps, il a 2300 gold et bah, il va petit à petit s'envoler en termes de farm. Il clean les bois à une vitesse phénoménale. Derrière, du côté Team Liquid, on a quand même ce DK qui est pas trop mal, qui a un BKB. Mirana aussi qui va commencer à bien farm avec en plus un Midasia chaque qui est arrivé juste derrière. Celui-là sur son fait, c'est un peu le même ordre d'idée puisqu'il a récupéré Necro 1, il a lui aussi un Midas pour continuer de farm correctement. Et Bulba bah, qui fait toujours une belle game, qui vient de compléter BKB, non peut-être pas, il l'a bientôt, il l'a dans moins de 1000 gold et qui va être assez important. Le souci c'est peut-être un peu X-Make avec son X-Assassin. Alors il vient d'avoir sa dagger, ce qui est très important sur un X-Assassin, mais finalement il est vraiment en retard, il est au même niveau qu'un Rice King en termes de stuff. Alors que je vous rappelle que X-Make là il est en position de offlaner, en position de corps. Donc c'est un héros qui devrait avoir accès à un peu de farm, mais c'est pas forcément le cas dans cette partie. Ouais, va y avoir une prise de risque qui va bientôt être effectuée par SNA parce qu'ils vont sortir la dagger sur le disruptor et la dagger sur le Nyx qui vient d'arriver. Donc normalement c'est ça qui va leur débloquer des actions, des kills, ils vont venir tenter des choses avec ces deux daggers. Et normalement le Nyx là devrait commencer à servir quelque chose et si ça se passe bien remonter dans ce Shadow Networks. Ce qui est très bien quand même c'est Swiss King, parce que on pourrait dire c'est X-Mike qui est pas bien, c'est vrai il a du retard sur son vis-à-vis le Darkseer, mais le West King est quand même lui aussi, il a quand même 52 CS. Il passe sur une centrée X-Mike, la Swiston. Ouais, alors je pense qu'il craint pas grand chose. Non, il craint pas grand chose. Mais ça vient le calmer un peu quoi. Ouais c'est ça, on lui met un truc dans la tête. Il y a eu des questions aussi par rapport à ces petits nombres là qui sont en dessous de. Enfin qui sont en dessous de Team Liquid. Parce que Zor c'est des penants, c'est-à-dire vous pouvez acheter des fanions d'équipe. Team Liquid en a un puisqu'ils étaient présents à The International 3, SNA n'en a pas, puisqu'ils étaient bien sûr pas présents. C'est une équipe tout nouvellement créée. Donc s'ils sont présents à The International 4, ils auront eux aussi un fanion. Et ça en fait c'est le nombre de personnes qui ont acheté un fanion et qui regardent actuellement la partie. Alors que c'est à partir sur ce Team. Le Nightmare qui est passé, le BKB de la part du Nightmare pour essayer de venir DPS, la disruption qui arrive pile au même moment que l'ultimate, il est complètement bloqué sur la destinée, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment le défendre, il n'y a pas de BKB pour le moment, il arrive à s'en sortir, on sait pas trop comment, ça lag un petit peu à Dota TV, le stun de la part du Nightmare pour récupérer le kit, c'est Coq qui va finalement l'avoir, Shadow Demon qui arrive à TP, on sait pas trop comment, ils vont perdre un héros là-dessus sur beaucoup de cooldown posé par Team Liquid. Alors c'est dommage de perdre un Tiny, mais c'est pas si dramatique que ça parce que Team Liquid pour le moment ils peuvent pas vraiment enchaîner, quoique s'ils enchaînent avec un Roshan c'est important. Ouais, bah ouais, il y a quand même 30 secondes sans le Tiny. Le Fury en plus avait été pétable pour essayer de mettre de la pression. Je pense qu'on va avoir le fameux trade Roshan contre la tour T2 top, la T1 top. Ouais. Oh, quoique. Ils ont smoke. Ok, ils ont envie d'aller peut-être surprendre ce Nature Prophète en haut et avoir des TP juste à la fin du Roshan. C'est Sbane qui va TP en premier, il y a X-Mike qui est dans le coin, qui est en Vendetta, qui va aller chercher Demon avec son Bane, le stun, le mana burn et l'auto-shot de la part de X-Mike pour récupérer le kill. Par contre, et bah, ce Nature Prophète, il est pas forcément très bien, quoique la Blade Mail activée de la part du Rice King, qui va pas prendre énormément de dégâts. Il va perdre tout son mana. Hein. Il a perdu tout son mana en 2 secondes avec le mana burn et les nécros et il va se faire glimpse et il va mourir, il a pas de mana, il a un stick. Oui, le stick qui est passé. Oh magnifique. Oh c'est bien. Magnifique joué. De la part de Demon qui a complètement pigeon ses Sneak assassin. Il va esquiver le stun, c'est bien joué, il a activé la blade, mais le Demon il va se garder du temps. Le Nature Prophet est de retour, Roshan pendant ce temps là, il finit enfin de tomber, ça fait quand même un sacré moment qu'ils ont commencé. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? On n'a pas de mecha pour le moment sur le Darkseer. Je pense que ça passe. Oh le glimpse qui est déjà de retour. Ils vont pouvoir le récupérer. Bon, ça leur a pris du temps, hein. Mais l'ont tué. Est-ce qu'il y va, Bulba? Hey, j'ai l'impression qu'il a bien envie. Ouais, le disruptor qui a réussi à blink, qui va blink TP. Très bien joué. La disruption qui est posée derrière. BKB qui est forcé du coup sur Bulba qui perd sa première charge, quand même, d'une charge de 10 secondes. Alors là, ce qui est dommage, c'est que limite en fait, ce DK et cette Mirana ne viennent pas aider quoi. Ah oui, c'était pas intéressant. Bon, la Mirana est pas du tout en bon état. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais ce DK, il aurait pu TP. Il avait un BKB, il avait un TP sur lui. Et ce SK leur a fait. Enfin, ce Risking leur a fait perdre tellement de temps. Bon, si on regarde à vraiment ce qui s'est passé au final sur cette action qui a duré quand même longtemps, c'est Roshan qui traite contre la tour top. Et le Bane qui meurt. Et bon, le Risking qui meurt aussi. Ouais, non, t'as raison en fait. T'as raison. C'est beaucoup moins bien que ce que j'imaginais. Ouais, c'est ça.
Bah, surtout que bon, Roshan leur a pris un peu de temps, mais ce DK il est en position pour venir TP parce que SNA ils avaient absolument plus rien, ils avaient tout lâché sur Silver King, ils avaient plus de mana, ils avaient plus de cooldown. Dommage, et il y avait aussi Bulba avec son Darkseer et son BKB et son mecha de prêt quoi, donc Non, mais dommage. j'allais dire, Team Liquid n'a pas fait un trade si dégueulasse que ça, mais en fait, bah en fait si, ils concèdent 2 kills, ils auraient en concédé 0, puisque s'ils n'avaient pas défendu la tour top, ils auraient fini le Ouais, Roshan, perdu la tour top, ça serait exactement. arrêté là. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont voulu défendre et les autres qui finissaient à Roshan. Donc petite mauvaise entente côté Team Liquid. Bon, ça leur coûte pas non plus très très cher, mais c'est dommage. Alors on a un DD dans la bottle Lucini, donc s'il se passe rien, ça peut ne rien faire, mais si une fight commence maintenant, ça peut sacrément surprendre Team Liquid. Il l'a pendant encore 2 minutes. Hein. Il est encore pendant 2 minutes, il a son BKB aussi qui est prêt, il a 2000 gold donc il va acheter Hyperstone juste derrière pour avoir le stéroïde d'attaque dont il a besoin. Maelstrom qui est arrivé sur ce Wrestling, enfin qui va arriver sur ce Wrestling, pardon. Kog'Sva il a fini une Manta avec sa Mirana. Bulba, est-ce qu'il a sorti quelque chose d'autre? Pas vraiment. Et ce DK qui est passé derrière le Nature Prophet en termes de farm et il s'amène un peu tôt. Non, c'est la bottle. Ok, c'est la bottle. Donc il a sorti Hyperstone donc il va lui aussi partir sur Assaut de Cuirasse. On en parlait hein, de l'XP hein, du level 16 qui est très important sur le Tini. Il est level 14 pour l'instant, quand même assez bas en termes d'XP. Ça paraît dans la norme dans cette game, c'est vrai, mais pour un héros qui a ce côté j'attaque tous les creeps d'un coup avec mon Naganim, donc je farm vite, donc je prends normalement plus d'XP qu'un héros normal, c'est pas génial d'être level 14 minute 27. Et finalement, il va peut-être avoir son level 16 en même temps que le dégât. Pour l'instant, il est parti dessus. Et je rappelle que le dégât, c'est un slow en zone en level 16. Donc pour un carry melee comme le Tini, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Et moi j'ai l'impression que Team Liquid ils sont en train de se dire on peut aller en late. Honnêtement, ce Tini on a largement de quoi le gérer et je pense qu'ils ont raison. Il y aura le Furion qui va être un problème certes. Alors qu'il y a une Vendetta à droite. Non, en fait, depuis tout à l'heure, il scoute à droite. Ses potes sont malheureusement partis en fait. X-Mike il perd énormément de temps sur la carte à venir scout en Vendetta. Et il n'arrive pas à trouver d'ouverture, peut-être Omni sur Kog'Sva, mais qui a une as, donc ça me paraît un poil compliqué à réaliser. Fini, il a activé son DD pour venir trishot les anciens et pour farmer sa petite Assaut de Cuirasse. Il n'y a toujours Qu'est-ce pas qui de va gemme pour se le passer? moment? Parce que la gemme Non. devrait pas tarder à arriver côté Team Liquid, je pense. Il y a une gemme sur le disruptor, cela dit. Donc lui qui fait son build classique, hein, si vous l'avez pas vu, c'est je fais bot, je fais dagger. Et ensuite je suis content. Et on va partir sur Kog'Sva, attention à gauche, la smoke a été révélée. Il a la Aegis, il va prendre le petit Shadow Demon, il va utiliser la Manta. Mais ça n'enlève pas la purge, il va prendre le stun très bien joué de la part d'Aix-Mac. Et on va lui faire tomber la Aegis qu'on a. Du backup qui arrive en Alben, qui est pas loin, qui a lâché son ulti, mais il est immédiatement cancel comme tout à l'heure. Joli va couler de la part du Darkseer, on met le wall aussi. C'est Wildberg quand même tombé sur la gauche avec son disruptor. Le Tini tente de fight, le Furion il a TP dans un stun, j'ai l'impression, il s'est fait défoncer. Le Tini se retrouve absolument seul, du coup, son BKB est terminé. Il envoie son stun, il va mourir sous les coups du Dekin. Sur le dessus, le Bane se fait poursuivre par des Nécros, ça devrait aller pour lui. Le Nyx a TP dans les arbres pour s'enfuir et le Shadow Demon s'en est sorti. Ça fait 3-0 pour certes l'Aegis, mais ça coûte cher. Heureusement, ils ont sauvé la jeune. Ouais, mais là c'est. Alors Bulba qui fait un travail formidable, encore une fois, comme d'habitude, c'est le Darkseer de Bulba, vous allez commencer à le connaître parce que bah, c'est probablement lui qui fait les plus grosses teamfights, mais ils sont tellement mal positionnés, ils décident de rester sur cette Aegis, alors qu'ils ont lâché déjà Grosse beaucoup de erreur. choses. Je pense que c'est une erreur à ce niveau-là, de décider de rester, Bah. peut-être de reculer, de prendre peut-être de meilleures positions, d'être en haut d'une colline, parce que là ils sont en bas, ils se font complètement encercler. Ouais, et puis on en a parlé, c'est l'ulti-disruptor qui leur sert un peu à contrôler le fight. À dire C'est ça. où est-ce qu'on veut fight, comment est-ce qu'on peut. Enfin, qui on veut isoler dans le fight, essayer de laisser les personnes d'un côté et en focus d'autres de l'autre côté. Et bah, si c'est l'ulti-disruptor qui est déjà utilisé, malheureusement, ils ont plus beaucoup de composantes à eux. Ils ont l'ulti Furion, ils ont éventuellement un stun mix, mais sinon c'est quand même beaucoup du single target. C'est ça. Et là ça leur coûte cher. Hein. Là ça leur coûte cher, je pense qu'en termes voilà, en termes d'XP on le voit, ils ont pris beaucoup de retard sur cette fight. On parlait du level 16 du Tini, bah on s'en éloigne un peu plus, on se rapproche plus du level 16 du DK pour le coup. Ça fait monter aussi le West King en level, le Bane qui était sacrément à la rue, il a remonté un peu, même s'il reste toujours dernier en termes de level. C'est ce genre de teamfight qui disent beaucoup pour les supports. C'est-à-dire que si un Shadow Demon il survit là-dessus, bah, il peut prendre 2 voire 3 niveaux. Si un Shadow Demon meurt, bah, il reste bas niveau. Donc c'est des fights super importantes. Et
Tu parlais, ça donne de l'XP au wrestling. Il vient de finir Maelstrom. Et le niveau 16 d'un wrestling est hyper important puisque vous avez un ulti de 60 secondes. Et ça change absolument tout. Parce que là, vous avez 160 secondes, ce qui est énorme déjà. Alors avant, c'est 260, n'en parlons pas. Ce qui est beaucoup trop long. Mais 60 secondes, vous pouvez très régulièrement feed en fait, puisque vous allez revivre tout simplement. Et ça change beaucoup de choses en teamfight, hein, cet ulti qui est vraiment très fort. Donc voilà, et qui empêche un peu le focus aussi, hein. Surtout qu'il a fait une blade mail à côté, etc., etc., etc. Bon, on va voir. Je pense qu'ils ont vraiment. On a vu le Tini taper. Il faisait vraiment pas assez de dégâts sans son assaut cuirasse, et c'est un vrai problème. Bah, il lui faut des disables aussi hein, pour qu'il ait pas besoin de courir, que les gens soient juste stun et qu'ils puissent fight quoi. Là, on avait plus l'ulti Shadow Demon, on avait plus l'impale, on avait tellement de sorts qui étaient pas là que. Et puis le Furion aussi, le Furion il a TP, il était stun direct. Hein. Il a fait des petits dégâts probants avec ses nécros, mais c'est tout ce qu'il a fait. Donc il va falloir juste mieux prendre les fights pour eux. Après, tu parles du West King, ils ont quand même des bons moyens de gérer ce West King. C'est chiant de devoir allouer des sorts pour gérer un support, puisque le West King est quand même en position 4. Donc il préférait pouvoir gérer ce Darkseer, gérer ce Dragon Knight. Mais s'ils lui mettent juste les Nécrons en right-click, s'ils arrivent à lui caler un ou deux mana burn pendant le fight, C'est vrai. ça peut gérer l'histoire. Mais bon, s'il arrive à compléter son Jolnir, parce que là il a quoi? Il a Maelstrom de terminer, Là, j'imagine? il a Le temps de Maelstrom, ouais. check? Ouais. Ça veut dire que. Enfin, c'est un héros qui va apporter des dégâts. Et avec sa vampire Groa qui aide toute sa team. Donc c'est un mec qui va avoir de l'impact dans la game. Et on a Pas vraiment pour dire que l'impression que les autres Team Liquid supports est ont pas devant. d'impact, mais. Ouais. Et puis surtout, tu sais, je pense qu'ils sont vraiment pas pressés. On a vu, ils arrivent à gérer Stini, ils laissent venir pour l'instant les SNA. Ils ont l'air sereins dans cette game. Bien plus que dans les games qu'ils ont fait hier contre NAR. Et la tour qui va tomber, je suis pas sûr que SNA puisse la défendre, alors ils sont déjà 3 sur place. Enfin 3. Ils sont 3 vivants en tout cas. On a le disrupteur qui est dans le coin. Mais je pense. Alors en tout cas, il y a la. Il y a la disruption qui est posée sur un des. Oh, est-ce qu'il y a. Ouais, il est Il bloqué, s'est ils l'ont coincé, pas hein? vu. Ils l'ont pas vu. Ok, Il tout va faudrait mieux. pas que le Shadowman envoie un petit poison, juste pour la condé. On a un TP de la part du Tini. Ils vont se re-smoke. Oh, ça va être terrible. S'ils smoke maintenant. Oh, aïe 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 aïe. Il l'a entendu, hein. Ouais, ils l'ont Il l'a entendu. entendu. Mais elle est déjà loin. Ouais, mais fais gaffe parce que loin, contre un glimpse. Oh bah voilà! Bah Ouais, voilà, voilà. le glimpse qui est utilisé, on l'a ramené dans l'ulti de Sun qui part de la part d'Axe Mike. Très bien joué de la part de Wildbird. Et c'est pour ça qu'il fait dagger en premier item. C'est très rare de voir des daggers en premier item sur un disruptor, surtout avec que des bots. Mais lui, il la rentabilise, hein. Parce que là, il a une engage. Blink, c'est quoi? C'est 1200 de range, c'est ça? Et le glimpse, c'est C'est ça. 1800. C'est ça. C'est-à-dire qu'au maximum, s'il a la vision sur quelqu'un, et il peut l'engager à 3000 range de distance, ce qui est la moitié de la carte, c'est un outclock, c'est ridicule. Et du coup, ça les bloque probablement la tour mid, hein, pour la Senna. Ouais, ça Parce débloque qu'il a la beau tour pas mid. avoir de cuirasse, il fait quand même mal au bâtiment. Ouais, c'est ça. Mais il l'a bientôt d'ailleurs, hein, sa cuirasse. S'il veut lui manquer 600 gold. On a les Nécrotrons en plus qui ont été sortis qui tapent très très vite, enfin, très fort à la base. On a le Force Staff bientôt sur Shadow Demon. Est-ce qu'il a acheté quelque chose? Il a rien acheté du tout, ce Disruptor. Ils vont venir poke la tour. Et pas seulement à la poke, hein, parce qu'il est quand même déjà à 600 HP. Le stun qui va partir sur ce Tini. Il y a Demon qui va essayer de se mettre en place avec son Bane pour essayer de récupérer des kills. Enfin, notamment ce Tini. Pas du tout. Ça va juste décider de reculer côté SNA. Et je pense qu'ils ont bien raison. Et là, on a atteint le level 16 du Dragon Knight. Et le level 16 du Tini? Non, on y est presque. Mais ça, il va être capital ce level 16 du Dragon Knight. Parce que bah, c'est un slow en AoE. Donc c'est énorme contre un Tini. C'est-à-dire qu'il peut le kite de manière très très efficace. Et à l'inverse, si Shademan a réussi à faire des illusions de Dragon Knight, bah c'est lui qui est slow. Donc ça va être quelque chose d'important dans cette game. Il y a Nagger qui est arrivé sur le Darkseer d'ailleurs. Essayer d'aller chercher ce Nature's Prophet en bas, qui a bien senti le coup. Il s'est pas beaucoup attrapé, SNH, je trouve, avec son Furion. Il joue Il n'y a assez pas beaucoup de intelligemment. kills non plus. Enfin, en même temps, il y a que C'est vrai. 20, 22 kills en 32 minutes. Hein. C'est pas la game la plus active, mais c'est de la métagame américaine. Je peux Oh, vous attends, on a montrer. cancel un TP. La Miranda a cancel Qui? son TP, donc elle peut pas être la top. La Miranda? Ouais. Ça, c'est important. Et ils peuvent limite en profiter pour faire plus que ça. En tout cas, Ah, ils je ont suis pas pris une sûr qu'ils tour. puissent vraiment. Ouais, Parce ça va que être là, compliqué. normalement, ils vont voir maintenant. Myrna est toujours là en bas. Oh, elle s'est pas montrée.
Ah, putain, elles rentrent pas, elle rentre pas non plus en fait. Là, hein. Ouais. Mais le truc qui est vraiment important, c'est est-ce qu'ils sont au courant qu'elle a pas commencé à revenir ou pas. Et a priori, je pense pas. Elle va commencer à venir maintenant. Ouais, mais c'est la tour qui est finie à tour. La tour qui est tombée, le Vacuum Bolt qui est arrivé de la part de Bulba. Ouais, Tini qui est dans la merde. Tini est pas bien. Dans la merde, bien battu sur BKB. Je sais pas, parce que la Mirana arrive quand même par derrière, par de cette Mirana, le Tini qui va peut-être. Attendons, la Gwen peut se retourner. Joli Sprout qui bloque complètement le chemin. Oh, pas tout à fait complètement. La Mirana qui va continuer à chasser. Elle va peut-être essayer de go sur ce. Non, elle veut tuer Tini. Elle va le tuer. Elle va le tuer. Ça, c'est un kill super important. Derrière, il y a eu un stun de la part du DK. Qui a loupé, tu peux. Ah non, pas du tout. J'ai mal entendu. Et donc, ça va juste s'arrêter là. Un petit. Ils ont pris la Rackfrange. Pardon. Ils ont pris la Rackfrange avec les nécros. Ouais. Ok. Bon, pendant le fight, ils avaient tout envoyé sur la Rax. C'est un semi-push. Bon. On allait dire, c'est grave, le Tini est mort. C'est qu'une Rax range, certes, mais quand même. Mais il reste toutes les T2 en plus, hein, côté SNA, donc ils sont pas tellement en danger. Alors, ils vont probablement perdre une T2, mais quoique, s'ils vont perdre la T2 mid qui est quand même à 180 attention, HP. La flèche, il l'a pas vu. Si, il l'a vu. Ouais, il l'a vu. Il l'a vu, quoique je vais. Il peut pas lui lancer le TP. Hein. Non, il l'a pas vu. Ouais. Et ça, peut-être qu'on lit le changelog, le dernier, il y a eu un changement sur la Mirana. C'est que son arrow, elle donne un tout petit peu moins de vision. C'est avec l'ancienne arrow, il aurait vu ce Nethersprovet qui était caché dans les arbres. Et c'est trop marrant comment il joue, il se cache sur les arbres partout. Il a dit TP en haut, il se cache encore. Oh, par contre, Liquid est parti se faire Roshan. Et il n'y a pas de vision. Et il vient de revenir le Tini, c'est dangereux. Il y a un tréant qui a vu l'affaire. Qui a compris ce qui se passait, la Mirana était juste devant et ça va reculer du coup. Ouais, ça va reculer. Oh, bien joué. Regarde ce qu'il y a comme rune top. Il y a un DD qui pourrait être récupéré par Stiné. Il a terminé son Kuras. Ouais, mais alors pour le coup, s'il chope un DD, il peut laisser Roshan et foncer top. Hein. Il casse la base. Bah, j'avoue. Ils vont retourner faire Roshan. On est au courant côté SMA. Mais quand même, hein. Il est déjà plus à 5000 HP. Il va falloir y aller, les gars. Ils vont être prêts. Faut faire attention côté Liquid à pas faire n'importe quoi. C'est pas forcément un endroit facile à prendre côté SNA. Et Roshan qui va tomber, ouais. SNA qui a pas hésité de. Qui a pas voulu. Bah, ils l'ont laissé tomber en connaissance de cause, hein. Ouais, ils ont eu peur du Darkseer, je pense. Ouais, je pense que c'est dangereux, ils peuvent se faire facilement bloquer sur des falaises. Ils ont pas la vision. Où est le Bane? Où est le Darkseer? C'est pas évident. Et surtout, c'est les deux héros qui veulent contrôler. Parce que ce Bane peut complètement mettre out le Tini pendant toute une teamfight. Le Darkseer, il peut exploser tout le monde. Donc, ils ont peut-être eu raison. Oh, ça va partir mid. Oui, est-ce qu'ils vont réussir à one shot sur Iron Knight? Ils vont go. Oui, c'est bon, ça va passer. Derrière, on a un X qui part sur le Base King. Le Base King, il a ulti. Le Vacuum qui arrive, il a pris 5 personnes. Est-ce qu'il a posé le wall? Le wall a été un peu loupé, j'ai l'impression, de la part de Bulba. On sait pas trop avec le Dativi. Ils vont faire tomber ce Base King. Il a plus la mana pour ulti. Faut activer le poison. Faut activer le poison. Non, c'est bon, il a la mana, il a la mana. Tout va bien, il a stick. Alors par contre, c'est un DD, hein, sur le Tini. Ah bah, le fameux DD, ils l'ont pris, ils disent qu'il est utilisé. On va se foutre ce Tini, non, vous êtes dans le même équipe, c'est pas une bonne idée. On envoie les nécros sur les racks, la racks qui va tomber, on s'en va là-dessus, on est content. Je pense, hein. Ouais. Et du coup, l'Aegis qui était sur la Mirana, bah, n'a pas été spécialement rentabilisé. Il aurait pas tué, donner ses nécros comme ça. Maintenant que ça donne autant d'XP, autant de gold. C'est dommage. Ça fait 3 fois qu'il les offre. Je rappelle que chaque nécro donne quand même 200 gold et 200 d'XP. Ouais, c'est énorme. Ça fait 400, ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais, après, il a juste allé back et vous allez mourir. Il part sur un Aghanim, j'ai l'impression, Whitebeard, sur son disruptor. Est-ce que t'as déjà vu un Aghanim chez Demon sur une game longue ou pas? Non, aucune. Non, moi non plus. Je suis pas sûr que ce soit très worth it en même temps, mais. Moi j'aime bien. Je suis assez curieux. Ouais, c'est 400 gold quand même. Voilà. Disons que là, je pense qu'il a raison de faire force staff maintenant. Mais en imaginant que là, bon voilà, il a 1000-1500 gold. Mais autant partir sur un X, quoi. Dans l'idée. C'est quoi? C'est quand même 5600 X, je crois. Ouais, c'est un peu plus cher. Mais dans l'idée, c'est aussi peut-être plus utile. Sachant qu'il a que le DK à contrôler finalement, qu'il va pouvoir taper de toute manière. Tu vois, dans cette partie, c'est pas forcément. Pas dans cette partie, ouais, c'est vrai. Mais c'est bien quand vous avez vraiment des carry mêlés. Je suis assez d'accord. Ouais. Qui n'ont pas vraiment de sort pour se placer. Je pense au Lifestealer surtout. Qui, bah, la purge passe sur la rage. Donc, si vous lui mettre deux purges dans un teamfight. Parce que c'est ça la ganim sur le Shadowman. Vous avez deux purges, deux ultis.
avec des cooldowns un peu bizarres, parce que ça met 40 secondes à se recharger. C'est mais ça. Potentiellement, en teamfight, vous en avez deux. Quand même sacrément relou. Je suis pas tout à fait d'accord avec son skill build d'ailleurs, il y a que 2 points dans le Shadow Poison, ce qui ouais, donne pas, pas mal de dégâts. Hein. Je suis pas d'accord. Mais bon, Maxi, sous le catcher, pourquoi game, pas donc, Ouais, il fait une très belle game. Le truc, c'est qu'on a vu, tu vois, ils arrivaient à jump et à instant quelqu'un, bon, aussi grâce au catcher, évidemment, mais derrière, ce qui leur manque, c'est quand même des dégâts en AOE, parce que à part l'ulti disruptor, il n'y a pas grand chose, quoi. Ouais, ou le clip d'ulti, mais bon. Il faut pouvoir taper, critique, hein. Donc c'est bon, le clip bientôt ils seront plus intéressants. Un crit à 612 pour le moment, donc c'est pas trop dégueulasse. Et pour le moment, bah, Team Liquid qui s'enferme. Ce qui est marrant, c'est que Team Liquid, ils étaient largement devant en gold. Et ils étaient quand même à plus de 5000 gold d'avance. Et ils ont quand même perdu l'Irax, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est une équipe qui a un gros gros problème à ce stade de la partie, Team Liquid. Qui est très très mauvaise dans les prises de décision en late game. Par exemple, ce DK qui se fait one shot au mid, qui est seul, personne pour l'aider, c'est... Enfin voilà, ils sont pas en place pour ce moment de la partie. Et ils font pas dans l'ensemble des décisions malignes à ce stade de la partie. Et le choix, il commence à avoir beaucoup, mine de rien. Parce que son prochain item, c'est quand même un item de deal, il est premier au net worth pour le moment, il a sorti donc un X, on l'a vu tout à l'heure. Et il a déjà 3000 gold de plus. On va voir si c'est un Dezo qui part derrière, ou si il part vraiment sur du gros deal, avec Daedalus ou MKV. Je pense Dezo c'est limite trop tard parce que de toute façon il n'y a plus beaucoup de bâtiments à push limite. Donc pourquoi pas Daedalus, je pense que c'est pas mauvais. Il tue n'importe quel support sur un ex finalement avec Daedalus ou MKB, peut-être un peu moins. Mais même la Mirana. Hein. Ouais, même la Mirana. La Mirana qui a quand même pas énormément d'HP, qui a 17 ans. Qui part sur MKBL, j'ai l'impression, ou Daedalus, je sais pas trop, on verra. Sachant qu'il n'y a aucun héros qui esquive actuellement dans la partie. Il n'y a pas de bâtiment. Normalement le Daedalus est plus intéressant. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'elle s'attend à ce qu'il y en ait? Je pense pas, hein. Le Tiny a priori, ouais. On sait sur quoi il part. Le Tiny est pas un hyper bon porteur de Butterfly. Et c'est pareil pour le Nature's Prophet. Donc, à mon avis, elle peut partir sur Daedalus sans gros problème. Attention au Disruptor là qui va voir arriver TC vers lui. Il voit tout le monde, hein. Pas suffisant de dagger. Oh, le Glimpse qui part sur TC. Non, c'est une connerie, les gars, engagez pas là-dessus. Ouais, c'est bon, il a compris. Avec Nature's Prophet, il s'est barré le plus vite possible. Et d'ailleurs on va surge et tout avec son West King. Ok, c'est bon. La porte pour engager. On s'est fait peur quand même côté Nyx Assassin. Je pense que c'était hyper dangereux. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ils vont perdre la T2, ils vont pas la défendre, ils ont pas le cooldown du X. Donc ils vont pas prendre de risques. Et pour ceux qui se demandent un peu à quoi sert cette partie, sachez que c'est un BO3 qui va permettre à l'équipe qui gagne ce BO3 de retrouver NAR en grande finale et donc d'être présent à The International 4. The International 4 qui est bientôt à 5 millions de dollars de cash prize. C'est une première puisque le plus gros cash prize était 2,8 millions, sachez-le, donc c'est juste incroyable. Et après, la grande finale qui sera jouée en BO5, donc entre NAR et le gagnant de ce BO3. Là, le vainqueur arrivera directement qualifié dans The International, alors que le perdant du BO5, de la grande finale, sera en fait qualifié, on va dire, à un match de barrage avec les deuxièmes de chaque région pour participer à The International. Mais tout ça se jouera déjà à The International, donc ils seront à The International s'ils gagnent, enfin l'équipe qui gagne ce BO3 sera à The International, qualifié ou pas. Voilà, au moins 4 matchs à jouer. C'est ça. Et pour vous donner une petite idée, l'équipe qui va gagner The International cette année, les joueurs, ce seront tous les joueurs qui auront gagné le plus d'argent dans l'histoire de l'e-sport. C'est ça. Peu importe ce qu'ils ont fait avant. C'est-à-dire que là, si vous montez une team et vous allez gagner TI, c'est vous serez la personne qui a gagné le plus d'argent dans l'histoire de l'e-sport. Et juste en gain de tournoi, évidemment. Au-dessus de Moon, au-dessus d'Andy, au-dessus de... Voilà. C'est incroyable. Oh, le Timirana. Ouais. Le stun directement attention. Sur ce DK, ils vont le force staff out pour le moment, il a un autre force staff à utiliser, il va se force staff et ça veut le tuer, hein. Il peut pas buyback ce Nature Prophet, ouais, il a acheté sortir. Quelque chose, il y a une flèche qui va partir sur Nintendo 5, ils vont aussi le récupérer, la disruption, quoique ils vont peut-être essayer de réussir à le sauver avec la dagger juste derrière, la dagger qui est disponible maintenant, l'outil disruptor qui a fait énormément de dégâts, il a tombé ce DK tout seul, Whitebeard. Je sais pas trop comment, il y a aussi le Shadow Demon qui était au-dessus, Whitebeard qui va exploser en attendant, il y a aussi le Shadow Demon qui est dans le coin. Ça fait un peu n'importe quoi côté SNA, sachant qu'il y a aussi ce Tiny qui est dans le coin, qui a un BKB qui va éviter la flèche sur le portable de X-Mine, qui va prendre le stun en attendant du West King. Ça veut pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu fais, mon petit démon? T'es pas très bien avec ton Bane, tu vas te faire chasser par un gros Tiny avec un méchant arbre. Et il y a le West King, ouais non, il faut se casser. Il faut se casser côté. Oh, quoique,
Shadow Demon, là-haut, qui va tomber sur les autoshots. Ouais, bien joué de la part de Kogjak, qui a fait MKB. Ouais, il a perdu la gemme. D'accord. Bon, c'est discutable. Elle est très bizarre cette fight parce que, en fait, au début, bon, l'engage était mauvais de la part de SNA, ils perdent le Furion. On pourrait se dire à ce moment-là, bah, il faut back. C'est normal. Sauf que derrière, le Disruptor, tu l'as dit, fait un dégât monumental avec son ulti avec la du Shadow Demon. Ils arrivent à tuer le dégât de manière complètement inespérée. Et là, ils se disent. Mais attends, mais finalement c'est un pour un, on peut se retourner, on peut fight. Sauf qu'ils sont séparés, on n'est pas bien, le Tiny hésite à revenir, il revient stun, du coup ils... Bon, plus de peur que mal, ils finissent par perdre que le Shadow Demon au final. Ils perdent leur gemme avec, bon c'est pas trop grave, mais c'était sacrément bizarre. Ils sont fait peur je pense encore une fois. On sent qu'on est dans le money time là, c'est le moment où les deux équipes peuvent craquer. Et les deux équipes, quand je dis les deux équipes, c'est vraiment Liquid et SNA, hein. Il y en a pas une qui est plus sereine que l'autre. Hein. Les deux ils ont des grosses gouttes de sueur qui coulent à chaque teamfight. Et Roshan qui repop quand? Qui repop là? Attends, là j'ai du mal à comprendre le timer. Là c'est le drop de l'Aegis. Ouais, il repop juste après en fait. Tu vois le petit point brillant, c'est le moment où l'Aegis drop. Enfin non, c'est le moment où Roshan peut commencer à repop. L'autre point brillant il est beaucoup plus loin, il est tout en haut. C'est pas ça? Je suis un peu perdu. Normalement j'ai un truc rouge ou je sais pas. J'ai un peu bugué là. Bah en fait, quand t'es genre à gauche du cadran. Ah d'accord. Bon bref. Bref, il est là. Yop. Disons que c'était un Roshan qui a ripop 8 minutes exactement après c'est la ça, sortie du après sa dernière mort. Qui a eu le timer le plus. Et c'est Scoot, hein. Alors c'est Scoot que par Etena. Liquid est pas encore au courant. Alors je vous rappelle que Liquid en plus joue contre des méga creep au mid. Donc il faut pouvoir les dépush régulièrement. Est-ce que c'est ça vrai peut... Oh ça vient d'être Scoot. Ils sont pas au courant hein. Et franchement ils ont envoyé une flèche par la Mirana. Ouais, ils ont envoyé une flèche sur le. Et là, ils ont vu une Bulba top, normalement. Peut-être même que leur ward dans les bois trouve quelqu'un. Oh bah. La flèche, ça va lui donner les infos cette flèche. Elle a mis pas de glimpse. Ok, ça va. C'était un peu dangereux. Ouais. Et ils ont mis une ward. Et là, du coup, ils sont en place maintenant, Timmy Quinn. Oh bah, y'a pas de ward. Il a critiqué la ward. Hein. Aïe 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 aïe. Il a sauté dessus. Ah ouais. Et c'est important parce que Team Liquid étant d'ailleurs, donc ils ont un accès plus facile à Roshan. T'as parlé des méga creeps, ça va aider SNA au mid. Mais cette histoire de gemme, je crois qu'ils ont pas racheté de gemme, s'ils ont racheté une gemme sur le Shadow Demon. Ok, il y a des travaux aussi sur la vision dans le pit de Roshan est importante. Et ça c'est aussi super important. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment aller repush tout seul, sachant que le Furon peut lui TP le Hex. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ouais, mais je suis pas sûr. C'est dangereux. 1900 HP, est-ce que vraiment tu crois que ce Nature's Prophet peut tuer? Il a fait quoi d'ailleurs? Avec le Nyx, oui. Ah, avec, oui, d'accord, ouais. Ouais, avec le Nyx, oui. D'ailleurs, il a rien acheté. Enfin, il a déjà buyback tout à l'heure. Parce que tout à l'heure. Non, c'est BKB, je suis bête. Pardon, c'est BKB qui l'a acheté. Ouais, il a acheté. Ils vont go, ils vont go en bas. Il a fait de la merde, il est mort. Ou, ouais, probablement. Sauf si BKB est TP, mais je pense que ça suffit pas. Il va lâcher l'ulti avant de mourir, ce qui est une bonne idée. Pas le Tiny s'est mis en place top. Hein. C'est-à-dire que là, si maintenant on voit que tout le monde va sur Roshan, le Tiny peut prendre le top, potentiellement. Pas qu'il faut qu'il ait du gaz comme ce Tiny, parce que. Ils peuvent très bien l'attraper maintenant. Mais. Il empêche complètement pour l'instant Liquid d'aller faire Roshan. Donc au mid on a un stun qui part, le stun qui est renvoyé par la carapace d'X-Max c'est bien joué. On va le force save pour qu'il y ait un peu de temps. Et voilà, et du coup on a deux personnes top. Et donc ils peuvent pas aller faire Roshan, c'est génial ce qu'a fait Sneak. Ouais, heureusement parce que Sneak Assassin qui s'est pas beaucoup fait choper. En ce moment il se fait choper dans les moments importants et c'est bien dommage. Ils peuvent quand même décider de faire Roshan rien qu'avec cette Mirana qui s'est déjà libéré un slot pour la Aegis. Il y a un cheese d'ailleurs sur ce Roshan, ça vient d'être scout par le poison. Ils vont tenter d'y aller. Ça me paraît hyper compliqué, vous êtes pas tous là les gars. L'Impet il va toucher Kogjva. La dagger out, ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps SNA. La flèche, exactement, la flèche, c'est la flèche. On peut la prendre. Ou de l'envoyer. Ou de l'envoyer au moins, c'est déjà ça. Par contre le West King va pouvoir stun maintenant. Mais le Kinetic fait gagner un peu de temps. Et là-bas il va back d'avoir du feu. On va prendre ce fight. Du coup le stun du team il est complètement loupé. La TP en BKB dans le tas. SNA, c'est peut-être une mauvaise idée. Y'a personne qui tape en multi sur le dessus. Pardon, y'a personne qui tape actuellement. Ça y est, le wall qui va arriver mais qui va toucher juste sur une classe 5. Il faut cancel le bait. Ça y est, l'ulti du disruptor qui va arriver. Le critique. Le critique de Tiny qui va one shot tout le monde. Et derrière ça va être pareil pour Kogjva. Voilà, triple kill. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il a fait Kogjva? Et on va le force à venir pour récupérer l'ultra kill derrière sur le précir. Non, il s'en sort. Si le ils vont pas le récupérer. Il a blink à la sortie, magnifique. Bulba qui a eu le merveilleux réflexe de s'en sortir. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait Kogjva de leap comme ça au corps à corps d'un Tiny, sérieusement? La flèche est partie, il est de retour, hein, avec sa Mirana. Et Roshan est là. Hein. Le Furon est remort. Donc il est mort pendant très longtemps maintenant. Et je pense que ça leur libère Roshan.
Ouais, c'est leur Liberation. Oh là 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 là. Mais ça leur coûte 2 buybacks, c'est ça? Le Bane et... ou 4 3 buybacks. Le Resking, Mirana, Bane. Ouais. Le début de la teamfight est hyper mauvais des deux côtés. Enfin, hyper mauvais. Il se passe rien quoi. C'est-à-dire que tout le monde est en BKB, mais personne se tape. Non, mais c'était trop marrant parce que moi, tu sais, je cherchais. Qu'est-ce qui se passe dans cette fête? Pourquoi les gens ne se tapent pas? Et là, tu racontes un truc, j'ai pas entendu quoi. Je me dis, ah, peut-être qu'il a trouvé ce qui se passe dans cette teamfight. Non, non, je disais juste, mais attends, mais y'a personne qui se tape, y'a personne et qui se tape. Et là, tu fais, mais merde, il a raison, il se passe rien en fait. On est juste en train de se courir après. C'est ça, et Langage est venu en fait du Darkseer avec son Vacuum Wall qui a touché juste le Nyx Assassin parce que tout le monde était en BKB à côté. Mm-hmm. Et puis là, bah, il y a Altini qui s'est retourné et qui a foutu des baffes. Alors en attendant, ils avaient quand même perdu Shadow Demon et Disruptor un peu plus tôt SNA sur le haut de la teamfight. Donc bon, ils se sont fait défoncer assez rapidement par le DK si je dis pas de bêtises ou je sais plus. Bref. Mm-hmm. Et la Mirana. Teamfight a avantage quand même de Liquid, quoique avec beaucoup de buybacks, mais récupère Roshan. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, oui, peut-être. C'est compliqué à dire. Ça leur coûte beaucoup de buybacks, on est d'accord. Pour une Aegis. Voilà. C'est ça. Et les buybacks en late game, c'est quand même une ressource qui est chère et qui est rare. Ah, mais côté Liquid, côté SNA, il y a personne qui peut buyback. Hein. Il y a eu buyback aussi d'une Nature's Prophet qui peut pas buyback. Juste avant ça, la ça, c'est vrai. Ça, c'est grave. Donc, mais regarde, si tu ouvres les courbes de gold, on est pour l'instant à globalement 5000 gold d'avance pour Team Liquid. T'enlèves les sous des 3 buybacks qu'ils ont fait, parce que c'est pas compté sur ces courbes-là. C'est le total d'or gagné, donc pas le d'or dépensé. Et c'est de l'or qui est dépensé pour pouvoir revivre. Donc c'est pas vraiment utilisé dans des items. On est à zéro quoi. Donc c'est quand même bon. Même si là on a 6 minutes pendant lesquelles, a priori, Liquid a l'avantage, puisqu'ils ont 2 vies sur la Mirana. Et puis cette Mirana, elle commence vraiment à dire. Ouais, mais elle fait Mjolnir. Enfin, elle part sur Mjolnir en late game. Moi j'aurais fait Skati ou quelque chose comme ça, mais. Ou peut-être un truc qui tige encore plus, mais bon. Ça lui donne l'attaque speed, mais c'est tout quoi. Ouais, c'est clair, elle a pas fait d'Aedalus quoi. Elle a pas fait d'Aedalus, ce qui est dommage. Mais bon. Et ça va être. Elle est en smoke, elle va se faire révéler. Elle va se faire révéler par If Mike. Ça va être vu maintenant. La dagger out. La flèche. C'est bon. Et on a le disrupteur là-haut. Qui a bientôt Aga. Enfin, non. Ouais. Pas vraiment. Dans 2000 gold. Ah, ça peut aller vite, hein. C'est ça peut aller vite. Sur un bon teamfight, ça peut le faire. Mais on est un peu. Enfin, on est encore une fois dans une partie complètement bloquée. Vous en avez eu plein hier, des parties comme ça où c'est bloqué parce que les équipes ne bougent pas forcément. Ou... Enfin, là, cette game, honnêtement, elle est super intéressante parce qu'elle peut aller très très vite dans les deux sens. Oh putain, c'était chaud pour le Shadow Demon qui avait eu se faire attraper par le Bane. Et encore une fois, je vais te poser la question, est-ce que t'as vu un seul impact du Bane dans cette game? Non, pas vraiment. Et encore, alors là, il a mis un outil un peu long, on va dire, qui a duré 2-3 secondes sur le Tiny. C'est le truc le plus long qu'on ait vu actuellement de la part du Bane. Où il s'est fait cancel très rapidement par l'outil Disruptor. Oh, X. Disruptor est pas là. Ouais, on a le X, mais elle va vite quand même cette Mirana. Disruptor est pas vraiment là. Ils auraient pu lui faire tomber l'Aegis un peu gratuite. Double bot actuellement sur le Tiny, qui a acheté des travels. Mais c'est ça qui rend cette game intéressante, c'est ce Tiny et son potentiel de cassage de bâtiment. Parce que là, avec la cuirasse, avec son aga et avec les baffes qu'il envoie, en 6 coups, il détruit la tour. Donc si jamais il y a une fight qui commence et que potentiellement il peut travel cure des creeps devant la base, Team Liquid, ils peuvent juste se retrouver à « Ah, on a gagné un team fight. Ah non, on a plus de base. » Ce qui est un problème. C'est ça. Parce que l'objectif c'est quand même de casser les bâtiments. Donc c'est ça qui rend cette game vraiment, vraiment marrante. Le truc c'est que SNA en teamfight normalement est moins à l'aise que Liquid actuellement. Et donc le but serait pas forcément de prendre des grosses teamfights i5, mais plutôt des teamfights par exemple à 4v5 sans le Tiny et de gagner du temps avec du kite, etc. pour laisser le Tiny le temps de casser des bâtiments ou autre. Dans tous les cas ça peut aller très vite et comme t'as dit c'est le money time, ça veut dire. Si on a vraiment un 5-0 d'un côté ou d'un autre, et bah c'est la game quoi. C'est la game ou presque, ouais. Parce qu'en plus il n'y a plus beaucoup de buyback côté Liquid, alors qu'en gros c'est parti.
enfin, qui vient de trouver sur Wrestling. Il y a un Snowlouchi qui est parti sur ce Nature Prophet qui va pas pouvoir faire grand chose. Il a beaucoup de mana encore sur Wrestling, donc faut faire attention. Le courrier qui a été one shot par le Cindy juste derrière, il fait défoncer Nature Prophet, Super Sprout, et derrière le Cheese de la part du dégât pour revenir pour l'HP. Il y a encore un vacuum qui va toucher deux personnes, mais pas vraiment important. L'ultimate qui est important, super move de la part de Fluff and Sup pour essayer de venir le cancel, mais Tini qui va quand même finir par tomber, qui ne peut pas buyback, j'ai l'impression, en tout cas il va pas le faire. Nature Prophet qui va finalement tomber sur les flèches de la Mirana, c'est pareil pour ce disruptor quoi, que c'est le Bulba qui va lui mettre un petit coup de poing, et sur le haut X-Mine qui va réussir à s'en sortir. Way too sexy. C'est bon, ok, on a tué les nécros pour lui, et derrière, et bah Fluff and Sup il a essayé de s'en sortir, mais ça va pas être le cas, récupéré par Daemon, et là c'est un 4-0, ça peut aller vite. Ouais. Et on disait, ce Roshan il est important. Là, ce qui a fait la différence sur ce Roshan, c'est pas la Gis, c'est le Cheese. C'est le Cheese du DK qui le fait revenir dans le fight, qui le fait continuer de slow tout le monde. Qui fait qu'il commence à faire mal aussi, ce Dragon Knight. Pas enfin, énorme, mais il commence à faire mal. Et il porte la cuirasse, etc. Et le truc, c'est que là, l'ultibane a été un peu utile. Et surtout, il a obligé ce Shadow Demon à se placer n'importe comment pour venir le cancel. Shadow Demon, il a été au milieu de la teamfight. Mm-hmm. Il n'a pas pu faire grand chose derrière parce que ce Bane était bien placé sur cette ulti. Et il peut même pas bannir son coéquipier puisqu'il est en BKB. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il a dû se replacer autant d'ailleurs. J'ai peut-être pas précisé. Mais ils vont être en place pour défendre, je pense. Et ouais, Liquid est même pas en état de venir continuer. On a 3 personnes très très low HP. Donc c'est une T2 quoi. C'est pas encore décisif. Et plus d'eggs. Et ça, ils sont bien contents d'avoir pris le mid. Ah, c'est vrai, c'est bien vu. Ils sont bien contents d'avoir pris le mid tout à l'heure, les SN1, parce que du coup, eux, s'ils passent. Enfin, ils avaient encore une balle de match, on va dire. Là, ils ont fait une erreur, mais ça passe. Il y a 5000 gold sur la Mirana. Quel prochain objet rentable? De toute façon, elle va finir Mjolnir probablement. Ça me semblait donc de juste faire Maelstrom à ce stade de la partie. Ah oui, non, ça a pas de sens. C'est clairement Mjolnir. Mais honnêtement, c'est un mauvais item pour ce stade de la partie. Ouais. Parce que vous apportez des dégâts magiques sur votre héros qui dit des dégâts physiques. C'est avec les HP des gens, c'est plus ou moins négligeable. Bon, le nouvel actif de Jolnir est intéressant, mais c'est ça. Ils vont avoir deux actifs de Jolnir, c'est-à-dire un sur le DK, un sur le Risking. Qui vont courir dedans avec les deux boucliers actifs, c'est un peu chelou, quoi. C'est un peu relou même. Ouais, non, c'est bien. Mais voilà, c'est cher pour ce que c'est, et surtout c'est un slot sur la Mirana. Parce que là, la Piranha, on n'a pas l'impression comme ça, mais il lui reste deux des slots disponibles. Donc il faut quand même qu'elle choisisse bien ses items. En termes de buyback, côté Liquid, tout le monde peut buyback à part Serious King. Côté SNA, tout le monde peut buyback à part les deux supports, Shadow Demon et Disruptor. On a 3700 gold sur le mix d'ailleurs. Comment est-ce que ça va être? Et c'est satanique en préparation sur le team. Ça, c'est emmerdant aussi. Bah, il faut qu'il arrive à taper quoi. Ils ont de quoi le kite, hein. On l'a vu tout à l'heure. Ils ont de quoi le kite. Ouais, mais alors le problème du satanique avec un Tini, c'est que tu mets une baffe et t'es full HP. Voilà. Il faut l'empêcher de taper. Voilà. Mais il leur faut des halbards d'ailleurs. Hein. Je sais pas. Ouais, il y en a une qui est arrivée sur le West King. Est-ce qu'on en a d'autres en préparation? Le DK serait bien, je pense. Ouais, le DK aussi. Ouais. Bah voilà. Bah, voilà. Et donc ça, c'est très. C'est des choix très intelligents de la part de Liquid. Pourquoi? Parce que Tini, il a un BKB qui dure maintenant 5 secondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de le kite pour la durée de son BKB. Et au bout d'un moment, bah, le Tini va finir par pouvoir taper. Mais à ce moment-là, son BKB va finir par être fini. Donc au moment où il va activer le satanique, eh ben, on va pouvoir lui enlever. On va pouvoir lui enlever la possibilité de taper plutôt. Et c'est pour ça que le satanique est peut-être une mauvaise idée sur cette game. Peut-être qu'un Manta par exemple pourrait être intéressant pour pouvoir enlever ouais. ce... Je suis d'accord sur le Manta. C'est Alberne. Ou un nouveau BKB hein, au pire. Ou un nouveau BKB. Mais même dans l'ensemble... Disons que c'est pas, ça donne pas une nouvelle... Enfin comment dire... C'est d'abord tu deuxième phase de la bataille. D'abord tu fight en BKB et ensuite il y a forcément un après BKB. Parce que c'est pareil, Liquid est en BKB aussi. Donc il y a le début du fight où tout le monde est en BKB et tout le monde peut se balader. Et il y a la suite du fight où là normalement le Tini peut taper et bah il faut qu'il puisse taper. Et c'est BKB qui arrive sur le Nyx d'ailleurs aussi. Oh si c'est le bon choix. Hein. Oh, s'il y a peut-être autre chose à faire. Oh bah Fluffy s'est fait surprendre. Oh merde. Et il a perdu une gemme. Oh merde. Ça c'est important. Ah non, c'est la gemme de Waitu. Donc ah c'est pas si important. Est-ce qu'ils en ont une autre? Non, ils en ont pas SN1. Ah bah oui, les 3 gemmes sont sur 3 personnes différentes de Liquid. Donc Liquid a gagné la partie déjà, la bataille déjà. Et la flèche? Oh, c'est bien. Oh, le disruptor! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, donc ils vont perdre ce support, ils vont récupérer cette Mirana qui peut buyback. Mais. Ah, du coup, elle peut pas buyback? Elle peut pas? Si, elle peut. C'est juste qu'elle a buyback la dernière fois, probablement parce qu'elle est à 120 secondes.
Attention quand même en haut, hein, parce que ça push bien en haut, on a une grosse vague, il y a des catapultes. Je pense pas qu'il faille trop commit à droite côté, côté SN1. Non, ils vont se barrer, ils ont bien raison. Darkseer. Darkseer, il a pas envie de laisser se barrer justement. Il a activé son surge, il a encore sa dagger, son ex de près. Le furon, il va réussir à TP, c'est bon. Est-ce qu'il va pouvoir attraper peut-être ce Nyx sur le dessous? Non, le Tiny, il a des travaux, il va se cacher. Attention, il va prendre un vacuum. Le vacuum est déjà utilisé. Dommage. Mais regarde les dégâts qu'a pris la tour. Elle est déjà plus qu'à 400 HP. Et c'est ça aussi. On parlait du money time, ça vient des items des héros, mais ça vient aussi des creeps, parce que les creeps, il y en a de plus. Et là, vous avez une grosse vague avec ça sur votre tour. Si vous n'êtes pas là pour la défendre, bah ça va vite. Et la prochaine fois qu'il y a ça, bah il n'y a plus de Rex quoi. Il y a le satanique. Satanique. Ready. 4450 gold aussi sur Snatcher's Prophet. On va voir quel est son prochain objet. Il avait fait BKB, je sais pas si c'était la meilleure idée, je pense qu'il y faut du deal hein, à côté de ce Tiny, alors que ce Bane vient de se faire récupérer, il faut peut-être pas essayer de trop commit, il y a aussi le Nature Prophet qui va TP. Oh, il a failli récupérer le Darkseer. Ouais, le pack a eu chaud aux fesses, je rappelle qu'il y a un sol. Ouais, il leur faut du deal sur le Nature Prophet, elle touche, elle fait sacrément 5 secondes, mais ils vont pas y aller. C'est pas un bon endroit pour prendre un find. Il leur faut une ulti sur le prophète et des disables sur les autres personnes. Il va repop maintenant. Il faut que les autres les aident à taper quoi. Il faut le scout. Ouais, c'est bon, ça va être scout. Ouais. Et la flèche? Et la flèche qui va la aussi. Flèche qui traversait. Mais elle a pas vu. Elle a pas vu le Roshan. Mais Roshan n'est pas là. Ah, mais le fond TP. Okay, top. Non, il a cancel. Enfin, il peut pas vraiment y aller comme ça. Hein. Ah, ça tombe très vite, mais. Je pense qu'ils vont juste mettre le Genie et les Necro 3 en fait. Pas trop commun. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire. Ah, le Fouillon rentre avec. C'est dangereux parce que c'est un bon endroit pour mettre un Wall Vacuum de la part du Darkseer. Ouais, c'est vrai. Ils sont au courant, bye bye, 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 bye. Bane, on va essayer d'y aller. Ulti Miranda qui est utilisé. C'est là où. Ils sont séparés, Liquid. Hein. Ouais, c'est le. Ouais, il s'est engagé en premier, faut lui enlever la main avant de le tuer. Le DK qui fait beaucoup de dégâts. On a banish le Kree pour lui faire gagner un peu de temps sur le dessous. Et le West King va mourir. Est-ce qu'il va pouvoir buyback ou il a buyback? Il revient immédiatement dans le fight. Y'a pas de vision! Y'a une gemme au sol, y'a pas de vision! C'est le X qui va partir sur le DK, y'a Bullback qui va arriver, qui va se faire stun sur l'armure du Tiny. C'est un peu dramatique sur le Nature Prophet qui s'est un peu défoncé. Y'a un Wall. Un ulti destructeur qui est un tout petit peu loupé alors que ce Tiny est en train de découper la Miranda sur le haut. Nature Prophet lui se fait démonter, il va faire un scout un tout petit peu trop tard. Destructeur qui arrive à s'en sortir. Y'a Tiny qui va arriver avec son arme, qui est absolument seul, qui va prendre l'ulti, y'a rien pour le cancel, il prend le force up pour essayer de gagner du temps, c'est dangereux, il va le sprout, y'a peu de vision pour lui, il va casser tout ça, il va essayer de taper, il a mis un gros crit à Bulba, mais il va finir par mourir. Non, la disruption de Fluff and Sun pour gagner du temps, il va pas avoir le temps de s'en sortir. Cela dit, Darkseer qui va récupérer le kill, un gros sprout de la part du Nature Prophet, mais ça sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas de DPS, buyback de la part du Tiny, buyback de la part du Tiny, est-ce qu'ils peuvent le récupérer? Oh, c'est dramatique, le S de la part du Darkseer, ils viennent de perdre cette game, s'ils perdent le Tiny, ils ont perdu la game, c'est pas possible autrement. Tiny qui va finalement mourir après son buyback, très mal joué de la part de SNA qui va perdre 6 héros là-dessus avec le double buyback. Ouais, ah ouais, non là ça recoûte vraiment cher. Mais ils ont pas assez de disable, parce que le Tiny il passe trop de temps à courir dans ces fights. Il passe juste trop de temps à courir, il faut que le Shadow Demon ait un Hex, il faut que peut-être le Disruptor ait un Hex, que le Nyx ait un Hex, je sais pas, il faut qu'il puisse taper. Là il veut pas taper, on a vu le très bon désarmement du satanique, il a passé, tu l'as vu, courir après la Miranda, il a passé beaucoup de temps, c'est pas possible de gagner une teamfight comme ça. Et c'est là où aussi on remarque un peu le... Que Tiny sans Wisp c'est compliqué parce que t'as pas la move speed pour te déplacer, t'as pas tout ce tank naturel que t'apporte le Wisp. C'est pas évident. Ouais, ça change absolument tout. Hein. Ça change tout. Alors ils vont pouvoir prendre ce side mid, je pense. On a que les 3 supports en vie. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Je pense. Ils ont quand même 8 minutes. Ils vont trône. Ils vont trône. Ouais, je pense qu'ils ont. Il a Sterax en vie. Je pense que c'est. Ok, fortification, ça va leur gagner un peu de temps. Mais c'est 55 secondes encore sans ce Tiny. Non, ça va être très compliqué. Way to Sexy qui va s'amuser et qui va se poser devant la base en mode vous ne sortirez pas. Ils vont pas tomber si vite que ça, ces bâtiments quand même. Deuxième tour va finir par tomber. On commence. Ah, ouais, non, ils commencent à attaquer au trône maintenant. Il reste encore 24 secondes. Il y a l'ulti de la part du disruptor qui ne servira à rien. C'est GG. Ouais, ça va, c'est GG. Ça aurait été chaud pour Liquid. On l'a dit quand même, ils ont. Je pense qu'ils avaient leur plan de late game contre Tiny. Ils savaient comment le gérer et ils nous ont prouvé que bah ça passe. C'est ça. Ils savent le faire. Ils ont géré cette game. Ils se sont fait peur, honnêtement. Bon, je pense qu'ils se sont fait très peur. Mais ça va leur faire du bien à la confiance. Bon.
et bah on va voir la deuxième partie juste après une petite page de pause. Donc on se retrouve juste après et on va voir si SNA va être capable de renverser un peu la vapeur, parce que perdre une game comme ça, c'est, je pense, pas évident moralement.